is all without VAT. Bonjour tout le monde pour cette V2. Un petit mot tout d'abord pour vous faire un point sur l'état du challenge, même s'il est un peu tôt, puisque ce challenge qui permettra l'encourage du cheval ayant marqué le plus de points de se voir offrir un séjour à l'île Maurice. Aujourd'hui, en tête du challenge, il y a l'acheteur qui est Carlos et Yann Lerner. Mais la route va encore être longue, avec un cheval qui s'est imposé dans une E et qui s'est placé dans une B. Après, c'est Conmarnane, avec un cheval qui est gagnant d'une G et qui s'est placé de l'Istod. Et puis après, il y a une vingtaine d'autres poulains qui ont gagné et qui ont marqué des points. Et la bagarre continuera pour s'achever après les ventes de novembre. Donc, je vous souhaite d'anticiper le voyage suivant avec les achats de cette année, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gagnants à 2 ans. Pour débuter donc, un fils de Big Bang. L'île Maurice, ça fait rêver. L'île Maurice, c'est pourtant proche. L'île Maurice, c'est aujourd'hui à Arcana, à Deauville. Mais quel est le rapport? Eh bien, c'est tout simplement que nous sommes à la V2, la vente pour les Français. Enfin, pour les Français, c'est pas réservé aux Français, évidemment. Mais officieusement, c'est une vente pour faire du 2 ans, pour faire des chevaux plutôt nés élevés en France, préservés donc avec des accessibles, en tout cas aux acheteurs français. Et il y a un challenge. Le challenge V2, c'est le challenge Beachcomber Hotel avec des points qui permet à l'acheteur ayant eu le meilleur cheval avec des classements au point de gagner un voyage à l'île Maurice. Alors tout ça pour dire qu'on démarre maintenant. Vous êtes en direct sur France Cire TV, en direct de l'établissement Élie de Brignac Arcana à Deauville pour suivre le 4e jour de la vente d'août, c'est-à-dire la V2, la version 2 comme son nom l'indique. Et on démarre tout de suite avec le numéro 370. Il y aura à peu près, parce que là j'ai pas exactement les absents, enfin tous les absents, on va en tout cas s'arrêter au numéro 492 et c'est donc parti pour 120 lots tout de suite. C'est maintenant. De la longère 30, j'ai 30 000 euros, 30 à 30, à 30 000 euros, bon poulain de Big Bang Bob à 30 000, 30 à 30 000 euros, à 30 000 euros, la mère peintre célèbre à 30 000, 30 000, Nicolas, à 30 000 euros, l'enchère à 30 000, suivons 30 à 30 000, bien vu, à 30 000, à 30 000 euros, le poulain de Big Bang Bob à 30 000, bien vu, à 30 000 euros qui prend le relais de 30 à 30 000, suivons, à 30 000, 2 voulez-vous, à 30 000, 2 voulez-vous, à 30 000 qui prend le relais de 30 à 30 000, merci. Alors, bien vu, à 30 000, dernière fois, à 30 000. On a attaqué avec donc un poulain de Big Bad Bob, nom très difficile à prononcer, un étalon qui s'est illustré en France. À 30 000, à 30 000, on va juger, fini ailleurs. Un étalon donc qui s'est illustré en France. À 30 000 euros, bien vu, à 30 000, on juge, 30 000, merci. Le numéro 361. Je vais y arriver, un étalon qui s'est illustré en France à l'occasion de... l'occasion, non je confonds, il n'y a pas marqué, il a gagné, ah si voilà, il a gagné le prix Ridgeway Listed, la grand-mère de ce poulain, la Belga est argentine, gagne un groupe 1 en Argentine, toute une souche argentine. Argentine qui devient un peu plus à la mode désormais. On commence à connaître les coups de mieux en mieux les courses argentines, grâce notamment aux courses diffusées en direct sur Equidia. Fils de Mosvel, une fille pardon de Mosvel, étalon qui fait la monte au haras du Lion, pas assez soutenu, pas assez connu, ce Mosvel, qui est un étalon tout à fait remarquable, qui fait un nombre de gagnants impressionnant. Il a déjà plus de 30 vainqueurs individuels depuis le début de l'année. Des Black Type, super, un champion sprinter, un cheval très très dur, Mosvel. Et nous avons ici, donc, cette fille de Mosvel et Rainbows for All, gagnante de groupe 3. Outre-Manche est déjà mère d'une gagnante de l'Istud, c'était Rainbow Crossing, fille de Cape Cross, gagnante de l'Istud à Deauville. Et mère par ailleurs de la bonne poulie jument qui est curieusement nommée Rimarien, deuxième du prix de la Vallée d'Auge. Elle est Mosvel, à 28 000 euros. Donc hier, on avait des chevaux dont la qualité, on arrivait à passer le cap des 100 000, on a même atteint le cap des 210 000 pour le top price, moyenne de 60-70 000.
Là, aujourd'hui, on devrait tourner autour de ces gammes-là. Vous voyez, le premier lot s'est vendu 30 000. Le deuxième va se vendre 32... Ah, bah, peut-être un peu plus. 32 000. 35. Voilà, on devrait tourner dans les 30, 35, 40 000 euros pour les bons lots. Et peut-être, pourquoi pas, passer le cap des 100 000. Oui, c'est tout à fait possible. Parce que déjà, nous en sommes à 40 000 pour la fille de Mosvel. 50, on y revient, Nicolas, 50 000, Nicolas, à 50 000 euros, 50, 50 000, à 50 000, Nicolas Lanchère, à 50, bien vu, 2, 52 000, 52 000, Guillaume, à 52, last time, à 52 000, merci, à 52, pas de regret, 5, 55 000, à 55 000. Ça part fort, elle est jolie, hein, cette pouliche, elle est assez féminine, Nicolas, pas très épaisse, hein, pourtant, Mosvel est un véritable tracteur, monstre de puissance. Mais c'est une jument, une pouliche qui a beaucoup d'expression et puis elle a un très beau, très belle souche maternelle. Bon, ça, je le dis souvent qu'elle a une belle souche maternelle, mais en plus, c'est une souche maternelle où il n'y a pas de trou. C'est-à-dire que la mère est gagnante de liste, de groupe même. Elle a déjà produit un black type. Il y a du black type aussi à foison sous la deuxième mère. Alors, sous la troisième mère encore plus, c'est la famille de Calbuco, la famille de Lily of the Valley, Pontavenne, Albacora, Sainte-Marine, Shakespearean. Et tout ça, c'est sous la troisième mère, donc. Et c'est le rat de la Louvière, c'est-à-dire Lady Aurélie, que nous avons interviewé hier, qui est pour la trouver dans les coulisses. Dans les bilans aussi, le bilan du jour 3. 70 000 euros. Frédéric Mercier ici, Jean-Marie Calier à son côté. Donc, Mosvel, qui courait sous la casaque de Lady Aurélie. Donc, le rat de la Louvière, qui a réussi une très grande carrière. Sous la férule de Dandy Nichols. Lady Aurélie l'avait acheté à l'âge de 3 ans. Elle cherchait un top sprinter. Et donc, elle s'en était portée acquéreur, ou acquéreuse, si on peut le dire. À l'âge de 3 ans, et le cheval a couru au top niveau jusqu'à 600. 90 000 euros. Est-ce que nous allons passer les 100 000 euros? Je vous suis. À 90 000 euros, merci. À 90 000 euros, last time. À 90 000 euros, merci. Dernière fois, dernière chance. Guillaume Lanchère à 90 000 et on va le juger. À 90 000 euros, bien vu. À 90 000, on la juge. Guillaume, c'est votre enchère. Merci, 90 000. Le numéro 372 est absent. Nous passons au numéro 373, présenté par Sylvain Bosson. Eh bien, 90 000 euros déjà pour le 371, deuxième lot du catalogue. Et bingo, 90 000 euros pour monsieur... il est caché, j'arrive pas à le reconnaître. Un fils de Shakespearean, petit fils anglais. Gagnant du Gain Court Steak. Je me demande si c'est pas monsieur O'Gorman. Il n'est pas du bon côté. Groupe 2 avec beaucoup de vitesse. La mère par un endo est placée et gagnante à 2 et 3 ans. Combien offre-t-on pour débuter? Très signé Chamardal, ce fils de Shakespearean. Combien offre-t-on pour débuter? Alors, puisque évidemment nous sommes sortis de chez Hervé, votre partenaire santé, nous avons passé la soirée d'hier, bien entendu. Je vous précise, chose très importante, que demain, La fête va continuer, puisque nous avons un nouveau direct. Et oui, mesdames et messieurs, un nouveau direct, c'est le direct du débat du syndicat de l'Assemblée Générale tout d'abord, puis du débat du syndicat des éleveurs, syndicat présidé par Loïc Malivet. À 10 000 euros, sérieux poulain. Très signé Chamardal, 12 000 euros, Lanchère à 12, à 12 000, Guillaume Lanchère à 12, qui m'appelle au-delà de 12, à 12 000, à 12 000 euros, petit-fils de Chamardal à 12 000, bien vu, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, Lanchère à 12 000, merci, 12, 15, 14 si vous voulez, 14 000 j'ai, à 14 000 vous êtes, à 14 000 il a dit, à 14 000 Nicolas, à 14 000 Lanchère à 14 000, merci, la deuxième mère part d'Anneville. 15 000 on est. À 15 000. Voilà, à partir de 9h, dès demain, le débat du syndicat des éleveurs. Pour toute la matinée, ce sera en direct sur l'antenne de France Sir TV. À 15 000, plus nous, Nicolas. Merci de votre aide. À 15 000, faut avancer. À 15 000, pas de regret. À 15 000 euros, Guillaume Lanchère. À 15 000 euros, on l'a vu. 15 000, Guillaume, merci.
Le numéro 374, présenté par le Haras des Troncs, c'est un mal béné le 20 mars par Turtle Ball et Rock Harmony. Un fils de Turtle Ball, la mère est placée du petit couvert. Elle avait été troisième du premier pas. Le premier produit est très estimé à Hong Kong. Il s'est imposé pour ses débuts à 3 ans. Combien offre-t-on pour débuter? Une belle famille, celle de Baiser Volé, gagnante de la poule d'essai, Never Neyef, famille avec de la vitesse. Bon poulain de Turtle Ball, la mer par Rock of Gibraltar, une valeur sûre. Combien offre-t-on pour débuter? 10 000 euros, 10 qui m'appelle à 10 000, vos enchères, 10 000 qui m'appelle, 10 000 euros, 10, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 qui m'appelle à 10, 5 pour débuter, bas 5, c'est pris bien sûr à 5 000, à 5 000, bon poulain ici là, 8 000 euros, 8 à 8 000, à 8 000 qui prend le relais, 8 à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros, l'enchère à 8 à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros, l'enchère à 8 à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros qui prend le relais, 8 à 8 000, faut avancer, 8 à 8 000 euros, 8 à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros, l'enchère à 8 à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, 8, 10, bien sûr 10 000. Alors, le 374. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du syndicat, du débat du syndicat de l'Assemblée et du débat du syndicat des éleveurs qui aura lieu en direct demain à partir de 9h sur l'antenne de France CIR. Et ensuite, tous les débats seront recoupés par thème et proposé en différé, individualisé, tandis que nous en sommes ici au 374, à 20 000 euros. Bon poulain ici, une mère qui a commencé à produire à 22 000 euros. À 22 000 euros, vous êtes à 22, 5, 25 000, 25 000 encore.
Et Nicolas de Chambure, le nouveau directeur du Haras de Tréhan. La mère gagnante du prix Saint-Amixa, deuxième produit, combien offre-t-on pour débuter pour la fille de McPhee? Qui est le neveu de Marc, pas son fils, mais son neveu. 10 000 euros qui m'appelle à 10 000 euros. Ah, Pierrick Rouxel, directeur du haras de Maulpère, excellent haras de la Sarthe. Alors, tandis qu'on a jugé le 374 pour 56 000 euros. C'est une fille de McPhee désormais qui est présentée par le Haras de Ménil. Dans la Sarthe également. Comme le ah bah voisin, voisin en fait. Exactement. Au départ c'est le même domaine en fait, à la base. Au départ le haras du Ménil, je crois qu'au départ même le haras du Ménil est une partie du haras de Maulpère. Puis il y a un autre haras où c'est l'inverse. Il y a un autre haras à l'intérieur même des terres. Chaussée. Le haras de la chaussée, voilà, tout à fait. Et la mère c'est Roquette, Roquette qu'on a bien connue, Roquette, on l'aimait, elle est sympa, elle est une bonne jument, Roquette, elle a gagné, je crois que c'est peut-être bien la première édition du prix Miss Satamixa, une listote sur la PSL de Deauville durant l'hiver. Elle était entraînée ici, Roquette, chez Yves de Nicolaï, d'ailleurs, son deuxième produit uniquement, le premier placé. 50 000, j'ai ici à 50 000, c'est par Nicolas. La mère par Ange Gabriel, un pur croisement donc. Un pur croisement donc du haras du Ménil, enfin bien pur, non, parce qu'ils ont quand même été chercher McPhee en Twinnies, c'est en Angleterre. En Angleterre, exactement, ouais. On va juger à 50, fini. À 50 000 euros, merci. Souche basse de Ranger. Dernière fois, à Lucky Lion. Reine de romance. Nicolas, 50, merci. Alors, ensuite, 50 000 euros. On reste sur des gammes très élevées. Ensuite, on va passer à un poulain par Paco Boy qui est né et été élevé à deux pas du haras du Ménil, à deux pas du haras du Maulpère et de la Chaussée, c'est-à-dire au haras de la Parigne. C'est Alessandro Botti, tiens. Alessandro Botti. Alessandro Botti qui signe le bulletin vainqueur. Et vous venez d'en voir cet après-midi, Paco Boy. Et donc le haras de la Périgne chez Bella et Jean-Luc de Chevigny, c'est de l'autre côté du village en fait. Et donc qui sont des amis de longue date de Aliette Faurien, et donc ils ont confié ce poulain de Paco Boy et Rose Bush, qui elle-même est une fille de Pivotal et l'excellente Santifolia, l'excellente précoce et rapide de Santifolia. Puisqu'elle avait gagné à 2 ans le critérium de Maison Lafitte, un groupe 2, et également le critérium de vitesse. Qui disputait en 2004 à Maison Lafitte, était transféré à Longchamp, entre autres. Sa famille Doriana, elle-même très très précoce, elle avait également gagné le critérium de vitesse. Toute bonne Doriana, une jument grise. Qui était entraîné par Alain Droit du Pré Doriana. 20 000. Il y a beaucoup de monde, hein. beaucoup de monde. Les courses viennent de se terminer. Les courses étaient à midi aujourd'hui. Les courses viennent de se terminer. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Il y en a beaucoup plus qu'hier, c'est marrant. Oui. Hier, les rangs étaient nettement plus clairsemés. Et là, pour la V2, la France aux Français. Non, je déconne parce qu'il y a encore beaucoup d'étrangers ici, heureusement d'ailleurs, parce qu'ils viennent pas, ils viennent avec des poches pleines. Heureusement. De sterlings notamment, mais de euros et de dollars. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Autour de la scène. Le 376, donc un fils de Paco Boy. Alors, les premiers produits en 2 ans. Paco Boy, on l'aimait bien. Paco Boy, c'était un cheval dur. Paco Boy, c'était un coursier. Paco Boy, il a gagné le prix de la forêt, les Queen and Stakes, les Locking Stakes. 3 groupes 1, et puis alors une quantité de groupes incalculable, et alors des places, et encore des places dans le groupe 1. C'est une casaque rouge, ouais. C'est ça. Ouais. Ce premier produit en 2 ans, et ils sont gagnants. Et comme le lot 374, donc il a fait 56 000, lui aussi, là, son poil... très luisant. À 45 000, dernière chance. Merci. Et on voit qu'il y a un peu de blanc dans sa queue, le poulain. À
45, 50, on y revient, non? 50 000. 47, pardon. À 47 000, si vous voulez, 50, il revient. À 50 000, Nicolas, maintenant. Je fais une petite parenthèse. J'aperçois parmi la foule Freddy Tondelier. Vous savez, l'ancien propriétaire de Blue Brésil, jeune étalon d'obstacle très prometteur d'ailleurs. Merci. Un type qui travaillait avec le regretté Pierre Coste. Type qui avait une certaine fougue naturelle près de Freddy Tondelier, qui avait complètement disparu de la circulation depuis quelques années. Et le voilà autour du ring. Alors 50 000 euros donc pour le fils de Paco Boy, adjugé au fond du couloir à Hubergui, BMS, Hubergui, courtier français, vous voyez ici en train de signer le bulletin, il est à côté de Fabrice Chappet. Portier français installé aux États-Unis. Alors maintenant, on va passer à un fils de Mr. Sydney, présenté par Laura de Quesnay, la même d'ailleurs où il fait la monte. Solennellement, cher ami, 1010, on y revient, 10 à 10 000, à 10 000, vous êtes à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10, 12, 12 000, 12 000, Solène à 12 000, vous êtes 12 à 12 000, Solène à 12 000, Solène Blanchère à 12, à 12 000, bien vu, à 12 000 euros, Solène Blanchère à 12 000, merci, à 12 000, bien vu, 12, 13 si vous voulez, à 13 000, j'ai, à 13 000, nous sommes. 13 000 pour un mal gris de Mr. Sidney qui est présenté donc par le rat du Québec. Solène Blanchère à 15 000, Solène votre enchère à 15, merci, à 15 000, à 15 16, il a dit 16, à 16 000, à 16 000 contre nous, Solène, 16, j'ai maintenant à 16, 18. Qui est issu de l'élevage du rat du Quesnay, sa mère Rose Rose avait gagné à 3 reprises. Et c'est le frère de Rocaille, cette fille d'Anaba, et de Semilla, fille de Dakar. Regarde, faut regarder l'écran, Loïc. C'est très important parce qu'on voit quoi? On voit Lise, maman Lise, qui est avec une équipe très spéciale, avec des matériaux très spéciaux, avec des outils très spéciaux. Là, c'est une grue gigantesque qui fait 4 mètres de haut. Parce que, en fait, depuis le début des ventes, on fait des images tout à fait, avec des moyens tout à fait exceptionnels, des ventes de Deauville. On a utilisé une caméra RED pendant 3 jours même. C'est une caméra de cinéma, samedi, dimanche et puis hier, une caméra de cinéma, vraiment. Hein. Et là, on utilise une grue, ce qu'on appelle un Ronin, c'est un Steadicam hallucinant. Et donc ça, on vient de voir la grue, et on a aussi utilisé des drones pour survoler le ciel, faire des images aériennes. De l'hippodrome, ah oui, des ventes, de la plage également. La plage, tout à fait, la ville. Le numéro 378 présenté par... Vous allez voir ce que vous allez voir quand on va réunir toutes ces images et commencer à faire des montages avec tout ça. Chargé d'affaires, le père de la Carolina. Une petite fille de Kendor dont elle est signée par le fait, la deuxième mère par Dynamix aussi. Deux chefs de race, la souche de Saganeka, combien offre donc pour débuter? Alors, chargé d'affaires, 10, 10 000 euros, 10 000, 10, 10, 10, 10, 10 000 euros, 10 000 qui m'appelle à 10 000, 10 000, 5, 5 000, 5 000 euros, 5 qui m'appelle 5, 5 000 euros, 5 000. Alors, Loïc, une fille de chargé d'affaires, ça c'est pas fréquent et ça ne le sera plus parce que le cheval ne fait plus la montée en France. Chargé d'affaires, tu vas nous raconter son histoire assez brièvement parce qu'elle est longue, mais il était pas stérile, mais presque. Il avait d'abord gagné le prix Morny à 2 ans. Ce fils de Kendor, qui était gris. Freddy Head avec sa sœur Cricket. Ici même. Qui ont présenté tout à l'heure le lot précédent. Qui est donc racheté. La deuxième mère par Dynamix. À 15 000 euros l'enchère à 15 000. À 15 000 le fils de Kendor. Comme nous l'indique notre Spielberg d'Auvillet. Jérôme Witt. Et chargé d'affaires avant d'être exporté, a terminé sa carrière d'étalon dans le sud-ouest de la France. Et il a sorti la Carolina. Voilà, et chez il a fait la monte au haras de Galouin chez Christophe Jouandou. Qui est présent. Voilà, tout à fait. C'est un super étalon chargé d'affaires. Il a un taux de réussite hallucinant.
Il a fait la Carolina, mais il a fait plein d'autres vainqueurs malgré un nombre de choix. Il a quoi? Il a eu 50 poulains, c'est tout, c'est hallucinant. D'ailleurs, 21 000 euros pour... Oui. Cette pouiche a été élevée au Hara de Galouin pour le compte de Christophe Jourdou himself. D'accord. Et donc elle est présentée par le Hara du Mât, c'est Pascal Ménard. 21 000 euros, c'est Jean-François Grib. Et oui, le Hara du Lion qui a réussi une très belle année, une très belle première année 2014. Le Hara du Lion est un Hara historique, le Hara des Haras nationaux. Il ne fait plus partie du giron des Haras nationaux, comme aucun des ex-Haras nationaux. Il a été repris de façon privée avec 600 juments saillis en 2014, Balco, Marasca Sorrento, etc. Dans un style différent que ceux des chevaux d'obstacle, cette fille de My Boy Charlie est Sardinelle par Verglas et Stella Bering gagnante du prix Eclipse. Comme l'a dit tout à l'heure à Eric Oyo quand il l'a présenté, celle-là, elle restera pas dans les boîtes. Effectivement, c'est fait pour foncer, pour fuser. Pour foncer, oui. Ah oui. Elle est super jolie, elle a une tête très arabisante. Elle est vraiment magnifique. Elle a une robe assez incroyable. Elle est grise du côté de sa mère. Et Sardinelle était grise, fille de Verglas. Qui a été achetée par Jean Birabin. En décembre 2012, 20 000 euros. Ça, Sardinelle ? Exactement, oui. Il a bien fait. En décembre 2012, cette fille de Verglas. Et cette année, elle a eu un mal de Rajzaman. On peut voir dans la galerie multimédia, d'ailleurs, ce petit Rajzaman. Que tu as vu chez Jean. Exactement, j'étais chez Monsieur Jean la semaine dernière. Monsieur Jean. Magnifique pouliche. Elle lui appartient, cette pouliche ? Elle ne lui appartient plus, puisqu'il l'a vendue 25 000 euros foal. Elle était présentée par le Hara de Saint-Vincent, HSV Agency. Et elle avait été achetée par Tina Rao. Mais il sait tous, cet Alsacien. Et la mère est pleine d'air-chief, d'accord. Cette année. Il m'a beaucoup plu, hein, cette pouliche. Ça, c'est vraiment. Bon, elle était née le 15 janvier, hein, c'est de bonne heure, mais quand même. Ah, les derniers produits de Goldaway, présentés par le Hara du Grand-Lys. Goldaway, qui n'est pas mort, qui ne fait plus la monte, il est tombé stérile d'un seul coup. Et qui est toujours à... ouais. Au Calais. Ouais, Goldaway, c'est un super étalon, un étalon qu'on aime bien, un cheval dur. Il en fait des bons, il a fait des cracks, bien sûr, hein. Alexander Goldrun, Full of Gold, Olive Vanity, Musical Way. Mais alors, un nombre de gagnants incalculable pour un cheval qui était pourtant tout petit. Tiens, Nicolas Clément ici. Devant, c'est Eric Saint-Martin. Qui n'a toujours pas bougé. Ah, il a toujours pas. Bon, cette nuit, il n'était pas là. Hein. Oui, oui. On est parti les derniers, donc on est sûr, il n'était pas là. Mais alors, il est revenu dès le premier lot, paf, il bouge pas. C'est, je vous dis, c'est un type extrêmement consciencieux, donc il a décidé de se lancer entraîneur. Il va faire ça au point, il regarde tous les lots, tous les lots. On est resté bloqué, stagné à 3000 euros tout à l'heure pour ce fils de Goldaway, donc comme tu disais Arnaud, qui est né en France et qui est présenté par le Grand Lys. Julia et Paolo Picchi. Hara du Grand Lys que vous pouvez trouver sur France Cire. Exactement. Présenteront tout à l'heure un mal de Zofanie qui est pas mal sorti, ce mal de Zofanie. Et d'ailleurs été inspecté par Mathieu Legas ce matin. Qui travaille pour Coolmore donc. Oui, et qui a acheté le top. Voilà. Et qui a acheté le top price d'hier de la journée 3, numéro 3. Ici l'enchère à 20 000, à 20 000 euros. Rien à 20 000 euros. On a joué, Nicolas, 20 000, merci. Le numéro 381, présenté par le Hara des Loges. Drôle de secret, c'est un mal béné le 11 février par Airchief Marshall et Scarlett Secret.
Un bon poulain d'Archif Marshall, la mère royale applause. La mère et demi-sœur de Pearl Flute, Secret Pursuit. Tout ça, une famille de chevaux précoces. Combien en faut-on pour débuter pour la fils d'Archif Marshall? Bon poulain, bon marcheur. 10, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10, qui m'appelle 10 à 10 000. Poulain avec du physique, 10, 10 000 euros, 10 à 10 000, 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 à 10 000. Petit-fils de Daoul Danseur, 5, 5 000, 5 000. 5 000, j'ai bien sûr, à 5 000. À 5 000, suivons ça. À 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros. À 5 000 euros, 8, 8 000, 8 000 euros, 8 à 8 000, 10, 10 000, vous êtes à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, l'enchère à 10, à 10 000. Poulain d'Archif Marshall, qui est présenté par le Hard des Loges, qui a été filmé par les équipes de France Cyril. Pas celui-là. Pas celui-là. Non, pas celui-là. Et par contre, on retrouve le boss à la tête du cheval, Yann Anami. In Anami, I-A-N, In Anami, un Irlandais qui a décidé de s'installer en France avec sa femme Catherine Allen il y a 11 ans, au Hard des Loges, à Arverne-sous-Embre, dans l'Orne. Un super préparateur de yearling. Son surnom, c'est Maussi. 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 Parce qu'il travaillait avant dans le camp. Ah, qui ben, on n'a pas assez fumé hier soir, cher Hervé. Pas assez de tabac. Arde utiliser. Oui, non. Il travaillait à Kid Langenstud. En Irlande, donc juste à côté de Kildare, chez Sheikh Mohamed Al Maktoum. Quand il conduisait la voiture, en fait, on sent ses yeux passer entre le tableau de bord et le haut du volant. Il est pas grand, moi aussi. Mais il marche super bien. Il est arrivé en France avec un cheval, accompagné d'un fils de Aounoura qui s'appelait Eventop. Et qui a placé des Guinées. Et il faisait un magnifique cheval, grand cheval noir. Il faisait la monte chez lui en Irlande. Et il est venu avec le cheval. Dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pour être poli. Avec ton Eventop. Tu vas voir, ça va être un super étalon. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? Gentil, moi aussi, mais enfin bon. Alors, qui a acheté? C'est Michael O'Maran, j'ai pas tellement compris. Et le Eventop, disons, il l'a refourgué aux arts nationaux. Il était fort, parce qu'ils sont forts commercialement, les Irlandais. Les Irlandais. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Et voilà. Parce que Eventop, c'est devenu le père entre autres, Cyrus des Aigles. Avant de mourir précocement. 5 000. Voilà, si Cyrus des Aigles existe, 5 000. C'est notamment grâce à Maussi. L'acheteur du lot précédent. Ah bah voilà. 000. Ah bah bravo la réalisation, ils sont sur le coup là. Toc. Kenny à nouveau. Il présente ce fils de Kentucky Dynamite. Qui est talon au haras du Kenney, lui-même un King Mambo, Kentucky Dynamite qui était à Alzan, enfin qui est toujours d'ailleurs à Alzan, ce poulain est bai, est né assez tard le 7 mai 2013 donc, c'est l'origine des S du haras du Kenney. Sa mère c'était Sea Life, elle n'a pas gagné, qui était à l'entraînement chez Carlos Lafonte Parejas, pour la casaquette évidemment. Et si Life est une propre sœur de Savoie, la gagnante du prix Petite Étoile, qui courait plus sous la casaque du Kenney, puisqu'elle avait été achetée avant. C'est la famille de Silver Pond et Silver Point. Merci, 12 000. Dont un frère s'est vendu 350 000 euros. 83, présenté par le Hara d'Ombreville. C'est une femelle née le 14 mars par Canford Cliffs et Sélana. Et la mère Sea Life a une femelle cette année de Dunkerque. Qui se déplace très bien. Et la 2 ans de Dunkerque est nommée depuis l'apparition du catalogue. Elle s'appelle Kersia. Et Fanny, une pouliche par Panis, une autre fille de Sea Life, a s'est rachetée. Et c'est Vincent Rimo qui a conçu actuellement, qui a racheté ce fils de Kentucky Dynamite.
10 000 euros contre vous, monsieur, à la barrière, 10 000 euros, 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 10 000
000, à 22 000, à 22 000 euros, c'est contre vous, Benjamin, c'est vous l'enchère, pardon, Nicolas, essayez encore, à 22 000 euros, Jean-Jacques, je ne vous entends plus, à 22 000 euros, Jean-Jacques, essayez encore. Nous en sommes à 22 000 euros, va-t-on adjuger ce lot 386, le fils de Siouni, étalon qui a fait des débuts sensationnels au Hara, on parlait tout à l'heure des débuts de Diamond Green, alors lui, Siouni, il a fait aussi beaucoup de gagnants et puis des vainqueurs déjà de Black Type. 27 000. Et Arnaud, c'est la famille de Soft Falling Rain, pardon. Gagnant de groupe 1 en Afrique du Sud. Il a gagné groupe 2 en Angleterre, le Godolphin Mile. Non, c'est le Godolphin Mile, c'était en. Peut-être à Meden, ce groupe 2 à Dubaï. 27 000, Benjamin. On porte la Kazakh Chalouet. À Medan, tu veux dire. Oui, c'est sûr, tout à fait. Nous passons au numéro 380. Porter la Kazakh Chalouet, qui était d'ailleurs sponsor aujourd'hui de la journée course à Deauville. Une valeur sûre, Goldaway. Et qui va être désormais étalon en Afrique du Sud, ce Soft Falling Rain. Ça a été annoncé il y a quelques jours. 7 vainqueurs, la mer a produit 7 vainqueurs, dont le Black Type, Silverlord. Silverlord, dont Savoie, gagnant à 2 ans. C'est la famille de Savoie, de Citria, de Silverpoint. Très bon sujet, Kenny, ici. On débute à combien? Allons-y, 10 000, Gardaway, 10 000. Trouve une nouvelle fois cette famille DS de. Il y aura du Kenny. Snow Gold, qui s'appelle. Malkenny le 25 février. Et c'est le frère de Silverlord, hein, placé de Listed à plusieurs reprises. Famille de Silva également, c'est un neveu de Silva, toute bonne Silva. Toute fille d'Anaba, qui était assez électrique en compétition, qui courait avec un licol sur le filet. 10 000 euros restaurant, à 10 000 euros une grille d'enchère, à 10 000 une grille d'enchère, à 10 000, à 10 000 enchères, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, mettez vos enchères, Goldaway, 10 000 euros une valeur sur Goldaway, 2 ans, à 10 000 euros, c'est contre vous, Camille, à 10 000 euros enchères à 12 000, 12 000 enchères à 12 000, 12 000 enchères à droite à 12 000, 12 000, à 12 000 euros, mettez enchères à 12 000, 12 000 enchères à 2 jours à 12 000, à 12 000, à 12 000 euros une grille, c'est contre vous l'enchère, à 12 000 euros l'enchère là, à 12 000 euros on the right, à 12 000 euros l'enchère à droite, à 12 000 euros, à 12 000 euros bien vu, à 12 000 euros valeur jugée, c'est sûr, à 12 000 euros fini, votre enchère, Camille, 12 000, 15 000, à 15 000 enchères à 15 000, à 15 000. À 15 000 euros, une grille d'enchères à 15 000. À 15 000 euros, ils sont revenus à 15 000. À 15 000 euros, Jérôme, c'est contre vous. À 15 000 euros, Nicolas, essayez encore. À 15 000 euros, bien vu. À 15 000 euros, je vais l'adjuger le Goldaway. À 15 000 euros. 16 000 euros, Benjamin. 16 000 euros, l'enchère. 16 000 euros. À 16 000 euros, l'enchère à droite. À 16 000 euros, là, l'enchère. À 16 000 euros, ici encore. À 16 000 euros, l'enchère est là. À 16 000 euros, Goldaway. À 16 000 euros, nous vendons. À 16 000 euros, bien sûr. À 16 000 euros, la souche de Savoie. À 16 000 euros, demi-frère de bon vainqueur. À 16 000 euros, Finning Grid. À 16 000 euros, merci. À 16 000 euros. 18 000 enchères, 18 000 enchères, à 18 000 euros l'enchère, derrière moi 18 000 euros, à 18 000 euros l'enchère est là, 18 000 euros l'enchère est là, 18 000, à 18 000 euros bien vu, à 18 000 euros on va le juger, à 18 000 euros Ingrid, à 18 000 euros pas l'erreur, bien vu. Évidemment, c'est la famille de Silver Pond, qu'on peut trouver en photo à l'entraînement, Silver Pond. Le numéro 305. Qui a été acheté aux ventes de l'Arc et le lendemain il courait le Qatar Prix de la Loi Triomphe. Il a été acheté par monsieur Alromighty. Qui était entraîné par Freddy Head. Puis par la suite il avait gagné le Grand Prix de Chantilly entre autres. De ce gagnant de Jean-Luc Lagardère. On ne peut plus précoce, un fils de Ifrage, Wotan Bassett, dans les yearlings, donc se vend très très bien. Et on débute à combien ici? Pour ce demi-sœur, de nombreux vainqueurs. 5 vainqueurs, un Black Type, allons-y, Mosley, allons-y, 5 000 euros, Equilum, à quoi ça sert Equilum? Alors hier Arnaud, j'ai vu Alain Darrow, d'Equid Armor, on a fait une petite interview avec Alain Darrow. Et d'ailleurs dans les coulisses, vous pouvez retrouver cette interview, c'est essentiellement quand il parle d'Equilum. Exactement, qui est disponible dans les coulisses, alors pas les coulisses de cette vente puisqu'on a passé à une, on est passé à une autre vente puisque c'est la vente V2 aujourd'hui. Et donc pour retrouver les coulisses, la page du direct d'hier, vous allez dans notre rubrique vente et concours. Et vous irez sur la page des ventes toutes, V1 on peut appeler ça également,
pour retrouver toutes les coulisses des ventes. On a Lady Ori également, qu'on a rencontré hier. Elle nous a parlé du mal de l'Oman et de Top Toss qu'elle a vendu 190 000 euros, qui est donc le deuxième top price de la journée de lundi. Alors Top Toss n'a pas eu de poulain cette année. Elle était vide, c'est ce que Lady Ori nous a expliqué dans cette interview. Et elle est pleine de Kate Cross pour refaire le croisement, évidemment, avec les Stock in Paris. À 32 000 euros, bien vu, fini. À 32 000 euros, le marteau peut tomber, le marteau va tomber. À 32 000 euros, bien vu, fini. De Tom Bassett. On a le juge. 32 000, merci Dominique. Fils de une fille de Tom Bassett a été jugé 32 000 euros. Du petit ailier, Eva. Premier produit son yearling. 12 avril par Sioni et Snow Valley. Ce fils d'Ifrage gagnant de groupe 1 à 2 ans dans le prix Jean-Luc Lagardère. Que Speak Now compte une victoire supplémentaire dans le prix de l'avenir à Châteaubriant pour sa deuxième sortie depuis l'apparition du catalogue. C'est Paul Basquin qui a acheté cette fille de Wotan Bassett. À Sobois qui va vraisemblablement la vendre à 2 ans de nouveau sur le marché des brise-up. Encore un jeune étalon, un fils de Siouni, déjà nommé, Save Even, présenté par le petit ailier. À 10 000 enchères à gauche, à 10 000, à 10 000 enchères à gauche, à 10 000, 12 000 enchères à 12 000, à 12 000, à 15 000 enchères à 15 000, à 15 000 enchères à 20 000. Alors son frère de 2 ans, même sa sœur, qui s'appelle Speak Now, une fille de Zafine, compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Pour l'association Jean-Claude Rouget, Christophe Ferland, plus une troisième personne que je n'ai pas noté, à vrai dire. Et cette yearling, Speak Now avait été achetée 30 000 euros par Jean-Claude Rouget, justement. Donc elle compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Elle avait déjà gagné le prix de la Croix Dorade à Toulouse. Son deuxième produit à la mer, ça s'appelle Snow Valley. C'est une fille de choisir. Elle est également gagnante. Et vu les performances actuelles de cette Speak Now, donc c'est la sœur de cette yearling, de ce yearling, le prix flambe, monte, on va dire. À 57 000 euros, allons-y. À 60 000 euros l'enchère. À 60 000 euros, tout mon Sioni. À 60 000 euros l'enchère, c'est encore 60 000. À 60 000 euros, bien vu l'enchère. 63 000 euros d'enchères. À 63 000 euros, mettez-vous en enchères. À 63 000 euros. À 63 000 euros, bien sûr. À 63 000 euros, ici encore. À 63 000. 65, Camille. 65 000. 65 000 euros, Camille. À 65 000 euros, Camille, l'enchères. À 65 000 euros, ici encore. À 65 000 euros, l'enchères est à gauche. À 65 000 euros, c'est Camille, l'enchères. Rien par vous, Jean-Jacques, et rien par vous. 67 000. À 67 000 euros, Camille, allons-y encore. À 70 000, 70, 70, 70 now. À 72 000. À 72 000 euros, déjà, appelez-vous, monsieur. 75 ? 72 000 euros l'enchère est à droite, à 72 000. À 72 000 euros l'enchère. Oui, 15, 75 000. À 75 000 euros, ils sont partis. À 75 000 euros, bien vu. L'enchère est à gauche. À 72 000 euros, c'est sûr. À 75 000, j'ai dit. À 75 000. À 75 000 euros. À 75 000 euros, l'enchère est là, pas d'erreur. À 75 000 euros, we are selling now. À 75 000 euros, l'enchère ici, pas d'erreur. À 75 000 euros, fini Jean-Jacques, bien vu. On a le juge. 75 000, monsieur Vidal, merci monsieur. Votre enchère, Camille. Le numéro 391, présenté par la... Sylvain Vidal. À 75 000 euros, acheteur de ce fils de Sioni. Ils s'en fait plaisir cet après-midi. Hein. Sylvain et Elisabeth Vidal. Avec la formidable victoire d'Avenir Certain. Et oui, j'imagine que vous avez suivi en direct dans le prix de la nonnette. Les deux places supplémentaires de Time Dream depuis l'apparition du catalogue. Sylvain Vidal qu'on reconnaît sous sa casquette Le Havre évidemment. Le père d'Avenir Certain et de Crisol. Crisol qui est deuxième d'Avenir Certain dans le prix de la nonnette. À
10 000, mettons chien, 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000 euros, y'a-t-il pour 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, mettons chien, 10 000, 10 000 euros, voulez-vous 10 000, 10 000 euros, y'a-t-il pour 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, chien, 10 000, 11 000, 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, mettez 100 000, 100 000 euros, oui, 100 000 euros, Guillaume Lanchier, à 100 000, 7 000 euros, maintenant, chien, à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000 euros, Guillaume Lanchier, à 7 000, à 7 000 euros, 7 000 euros, Guillaume, votre chien, à 7 000, 7 000 euros, Lanchier, à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000 euros, mettons chien, à 7 000, 7 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 10 000 euros, Lanchier, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, maintenant, Benjamin, 12 000, 12 000 Lanchier, à 12 000, à 12 000 euros, Lanchier, à 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, Lanchier, là, à 15 000 euros, Lanchier, là, à 17 000, à 17 000, à 17 000 euros, par vous et contre vous, Benjamin, à 17 000, à 17 000 euros, mettez 20 000, à 17 000, à 17 000 euros, 20 000, 20 000 Lanchier, à 20 000, à 20 000 Lanchier, à droite, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, Benjamin, votre Lanchier, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, toujours Benjamin Lanchier, à 20 000, à 20 000, 22 000, 22, dites 2, 22 000, à 22 000 euros maintenant, à 22 000 euros, Lanchier, là, à 22 000, à 22 000, à 22 000 euros, Lanchier, là, à 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, ici encore, Benjamin, à 22 000, à 22 000, à 22 000 euros, Nicolas, votre Lanchier, ah, cadeau, à 22 000 euros, c'est sûr, à 25 000, 25 000, à 25 000, à 25 000, à 25 000 euros, Lanchier, à 25 000 euros, ici encore, à 25 000, à 25 000, à 25 000 euros, Lanchier, d'avoir à 25 000, à 25 000 euros, ici encore, Nicolas. Arcano, c'est le père de ce 391. Un poulain très puissant, hein, assez développé, qui est né très tôt dans la saison, le 29 janvier. C'est sûr. Nous bordons. Présenté par la Botrec Excitement. À 25 000 euros. C'est une origine Nyarkos. Merci, votre enchère. Soft Landing, la mer. Numéro 392. Avait couru pour la Kazakh Nyarkos, justement, et l'entraînement de John Amon. Puis après pour la Kazakh du Rad de la Hudry et l'entraînement de Robert Collet. Is an occasional weaver. Showcasing donc. Télécheteur, monsieur. Poulain qui se déplace très bien avec un beau travers. Pour 25 000 euros donc. Un petit fils de Oasis Dream. Figurez-vous, je ne le connais pas. Ah, il est avec Dominique Bress. Non, 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 je confonds. Place de Lister, de la famille de Alice Springs. Eh bien, j'en ai cop. Je n'en connais pas un des trois. Fils de Showcasing, on débute à combien ? Désolé. Allons-y, 20 000. À 20 000 euros, on y viendra à 20 000. Alors 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, vous débutez à 10 000. 10 000 euros. À 10 000 euros, Showcasing, 10 000 pour démarrer très bas, voulez-vous 10 000. 10 000. À 10 000 euros, on y viendra 10 000, on y viendra à 10 000. 10 000 euros. À 10 000 euros, Guillaume Lanchier à 10 000. À 10 000 euros, Lanchier à Guillaume à 10 000. À 10 000 euros. À 15 000 maintenant. Le frère de Dinner's Out. À 17 000 euros, Solène. Showcasing. À 17 000 euros, Solène, votre frère. Dinner's Out, c'était placé de l'Istead en France et aux États-Unis, cette fille de Warfront. Porter la Kazakh de Hervé Bourin, celle de l'écurie de la Vallée Martigny. Vous pouvez la voir en photo d'ailleurs, Dinner South, quand elle gagne à Deauville. À 27 000 euros, c'est 30 000, à 30 000 enchères, à 30 000, à gauche, à gauche, enchères, à 30 000. À 30 000 euros, tout mon poulain, à 32 000. À 32 000 euros, c'est encore Sonnette, c'est qu'on voit à 32 000. À 32 000 euros, 32 000 now on the right side here. À 35 000, à 35 000 euros l'enchère. À 35 000 euros, Camille, 37 000, 40 000. À 40 000 euros l'enchère, elle a à 40 000. À 40 000 euros l'enchère, elle a à 42 000. À 42 000 euros, c'est encore Dominique, c'est qu'on voit à 42 000. À 42 000, 45 000. À 45 000 euros, 50 000. À 50 000 euros, à gauche, enchère. À 55 000. À 55 000 euros, l'enchère. À 55 000 euros, 60. 55 pour l'instant pour un showcasing. 55 aux ventes de aux ventes Brisup d'Arcana en là à 55 000 euros, c'est en, au mois de mai 2014, il y avait déjà un showcasing qui s'est vendu pour plus de 300 000 euros qui était acheté par David Redverse. Je vais l'adjuger. Showcasing à 55 000 euros. Dominique Lanchier, bienvenue. Premier produit sont 2 ans. Et il se débrouille très bien déjà. Merci beaucoup. 55 000. Dominique. Le numéro 300. Puisque c'est le père d'une laurette de l'Istud. C'est un Malbé foncé né le 2 février. Et classé de groupe. Steve Unique qui réussit très bien. Toujours donc. La mère est gagnante. Elle a produit un bon vainqueur, Spring Light. Et la mère est sœur du champion Gentle Wave. Et c'est Freddy Powell qui signe le bulletin. Il l'a fait déjà hier. Freddy Powell travaille pour Arcana. En Angleterre, il a un certain nombre de clients avec qui souhaite sans doute travailler directement d'ailleurs avec lui. Prenons 2 ans déjà, perdons le nombre vainqueur, allons-y, 10 000, 10 000, 10 000, il faut démarrer à 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000. Ah, 10 000 euros l'enchère, voulez-vous 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, mettons l'enchère à 10 000, 10 000 enchères à gauche à 10 000, 10 000 enchères à 10 000, 10 000 enchères à gauche à 10 000, ah, 10 000 euros le Camille, l'enchère à 10 000, 10 000 enchères à 10 000, à 10 000, ah, 10 000 euros l'enchère à 10 000, à 10 000 enchères à gauche à 10 000, à 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros Camille, votre enchère à 10 000, à 10 000 enchères à 10 000. L'entraîneur de Willy Stéphane Vatel s'est installé à côté du ring. Va-t-il faire feu ou pas? Pourquoi pas pour ce poulain de Siouni et de Vous voulez que je vous raconte un petit secret? Oui. J'ai pas le droit de vous dire. Ah si. Siouni et Spring Wave. Spring Wave, c'est une fille de Dr. Fong.
Bon, ça, à la limite, c'est pas... Mais surtout, Spring Wave, c'est une fille de Dr. Fong, c'est la sœur de Gentle Wave. Le fils de Monsoon, bon étalon français qui a fait l'immense majorité de sa carrière au Hara. Tu t'aimais. Qui est parti depuis cette année au Hara de Pau, Gélos, Sorelis. Ouais. Et ben, il en est reparti. Tu voulais nous parler d'un secret, Arnaud ? Oui. Oui. Il en est reparti, Gentle Wave du Hara de Gélos. À 25 000 euros, qu'est-il ? À 25 000 euros, mettez 27. Pour ? Je vous laisse. Pour aller en Angleterre, il a été acheté par un monsieur qui s'appelle James Potter, qui n'est pas le père d'Harry Potter, mais qui est le propriétaire de Yorton Farm, un grand hara anglais d'obstacles dirigé par David Fata, co-organisateur de, du concours TBA, les concours des Fauls en Angleterre, que vous allez filmer, diffuser en... On a pu voir les résultats, les images, voilà. Les photos sur France Cire. Voilà, et Gentle Wave venait d'arriver à Yorton Farm en conséquence de son achat par James Potter. Donc Gentle Wave fera la montre désormais en Angleterre. Ça, bien sûr, je n'avais pas le droit de vous le dire. Donc vous ne l'avez pas entendu. 393, donc un fils de Sili qui va non, qui ne va pas atteindre les 40 000 euros parce qu'il va être jugé maintenant. Le devez avec votre enchère, 38 000 euros. Tandis qu'on passe à Suave 4, mâle français, par Hurricane 4 et Suave Marie, par Suave Danseur. Suave Danseur, le vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe 1981. Sous la selle de Cash Asmussen, l'entraînement de John Abbon et pour le compte de M. Chaloub, Henri Chaloub. Cash Asmussen qui est également à Deauville en ce moment. C'est Didier Chervé. Et pour Cash Asmussen, et Suave Danseur qui est mort, bon ça ça arrive à tous les chevaux, mais lui il est mort très jeune, il est mort foudroyé. Mais vraiment foudroyé, il était dehors, il y avait un orage, il a pris la foudre sur la tête, pouf, plus de son, plus d'image. Alors une poulinière qui est née en 95, qui a donc aujourd'hui 19 ans, sacrément confirmée, 10 produits, 9 en âge de courir, 6 vainqueurs, et c'est récemment qu'elle a sorti son meilleur cheval d'ailleurs, c'est assez étonnant, Marido. Une actuelle 3 ans. Oui, une actuelle 3 ans, pourtant par le mauvais librettiste, d'ailleurs qui est aussi à Yorton Farm. En Angleterre, à côté de... Mais je dis qu'il est mauvais, parce qu'effectivement, il est mauvais, et David Futter fait tout pour s'en débarrasser le plus vite possible. Donc c'est dire que ça va pas aller. Parce qu'un cheval de plat comme ça, qui avait gagné quand même un super cheval, un librettiste qui avait gagné deux groupes, il avait gagné le Moulin de Longchamp, Jacques Marois, peut-être le Moulin de Longchamp, en tout cas, la forêt. Il a fait le doublé. Un vrai mailer qui se retrouve finalement en Angleterre pour faire de l'obstacle. Bon, on sait pas trop pourquoi, mais bon, admettons que ça marche mieux et que là même, ils en veulent plus. Il va finir en Iran, celui-là, je te le dis. 26 pour Charles Gourdin, qui est devant nous. Et qui est au téléphone. Ah, qui a déjà acheté un cheval hier à 90 000 euros. Suave 4. Fils du Rican 4 qui a réussi très très bien avec ses deux ans. Notamment de l'autre côté du monde. 27 000 euros, tout mon poulain ici. À 27 000 euros, bien sûr. À 27 000 euros, il faut mettre 28. La même robe pépère foncé que son père Hurricane 4. 28 000 euros toujours, à 28 000, à 28 000 euros, à 28 000 euros Guillaume, essayez encore, on essaie, mettez 30, mettez-vous 30, mettez 30, à 28 000 euros encore un effort. Eric Kinkett qui fait bien sûr la montre chez Alain Régnier ou Arad Laineuve. L'autre jour d'ailleurs on parlait des étalons d'Alain Régnier et il me disait pour Eric Kinkett, plus il saillit, plus il prend de... Et De poids et de poids et du muscle surtout. Ah ouais. Et du muscle, exactement. Ouais. Faudrait qu'on s'y mette. À être étalon. Ça marche pas, effectivement. Ça marche pas. Donc le père de Stella passe, le père de la toute bonne. François Paul Basquin, Paul Basquin, oui, de dos, oui, le grand là, oui. Et qui a acheté du coup. Gagnante, Black Tap, Sweet and Sour. C'est un produit ici, donc famille de Cholokov, de Zavaleta. Et on débute à commencer pour cette mer par canalisée, donc Astronomer Royal. On en profite pour faire un clin d'œil à notre partenaire historique, Dina Vena. Dina Vena, Xavier Lipins, d'ailleurs son directeur et son bras droit de l'Ouest, Laurent Thibault, sont là.
à 5000 euros Guillaume Lanchère. À la rencontre de nombreux clients, car ils en ont de nombreux ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs des produits Navena, que ce soit en élevage ou en compétition. 5000 euros mettez en enchère, à 5000 euros mettez en enchère, à 5000, à 5000 euros l'enchère, à 5000 euros j'ai une seule enchère, à 5000 euros, à 5000 euros c'était la passe, à 5000 euros, à 5000 euros mettez en enchère. Ou au débourrage pré-entraînement également. Oui, bien sûr. À 5000 euros vous laissez partir, 7000, à 7000 euros maintenant Guillaume, à 7000 euros par vœu contre vos Guillaume, à 7000, à 7000 euros mettez en enchère, à 7000, à 7000 euros. Il y aura du château de Rabot d'Ange. Je n'ai pas le plaisir encore de connaître. C'est un grand château historique de la Normandie. Mmh. Et si je ne m'abuse, c'est Jean-Pierre de Gasté qui utilise les écuries du haras de château de Rabot d'Ange. C'est un grand château public d'ailleurs, le château de Rabot d'Ange. C'est merveilleux. Alors, 7000 euros. Bon, présenté par le haras des Longs, Tanaga, c'est une femelle bénée le 15. 7000, ouais, pour la fille de suite et de soir. Bah, le rythme va être plus élevé aujourd'hui qu'hier, hein, avant-hier évidemment. 396. Ils se vendent très bien. Un second produit d'une mère gagnante, mère sœur de prière, à toute bonne prière. On a commencé il y a une heure. Tiens, c'est ce monsieur qui achète. Je connais son visage, mais pas son nom. Ah, toujours notre LAD très chic. La casquette. Donc, on l'avait déjà vu hier. Le t-shirt. Le polo cintré rose. 10 000 euros. 10 000 euros, mettons en chat, 10 000 on est vraiment là. Pour une fille de Zophanie. 10 000 on est vraiment là, 10 000. 10 000 euros. Ah, 10 000 euros, allons-y, 10 000, vous devez 10 000. 10 000 euros, allons-y. On s'est parti de la Léonière, à Radélon. Voilà, Zophanie est Tamada par Lucky Story, lui même par Chrysès. Une souche de la Louvière à la base, la grand-mère Play Around, gagnante du prix Joubert à Évry, feu Évry. Et elle-même mère de 3 Black Type. Dans un obstacle, dans Silly qui a performé en obstacle, assez rare pour le souligner, qui était deuxième de l'Istud en haie. On trouve un autre très bon cheval d'obstacle dans la famille, c'est Pierrot Lunaire. Pierrot Lunaire qui a gagné l'Iroquois à Hurdle, un des rares groupins du programme d'obstacles aux États-Unis. Arnaud, je vais te le demander directement. Les groupins en Australie, ça existe. Aux États-Unis, ça existe encore en obstacle. Comme un léger doute. À 25 000 euros toujours, à 25 000 euros ici encore, 25 000, à 25 000 euros ici encore, 25 000. Oui. Néanmoins, sont-ils vraiment reconnus pendant les standards internationaux? Par exemple, la Virginia Gold Cup où nous sommes rendus avec Lise au printemps. Cette année. Avec un reportage qui a beaucoup, beaucoup de succès d'ailleurs. C'est un groupin, mais est-ce un groupin reconnu internationalement? Je ne suis pas certain. Un groupin national? Domestique. À 40 000 euros, vous ne l'aurez pas. À 40 000 euros l'enchère. À 40 000 euros ici encore. À 40 000 euros là-bas. À 40 000 euros l'enchère. 40 000 là. À 40 000 euros. 40 000 euros. Doué. 42. Grazie mille. À 45 000 l'enchère. À 45 000 euros là-bas. À 45 000 euros là-bas. Investisseur italien. Bienvenue. Grazie mille. C'est vrai qu'il parle toutes les langues, hein, Pierrick, c'est ça l'avantage. Ah, ça monte. 50 000 euros, Dominique. À 50 000 euros, Trigger. Dominique, avec qui il est son enchérisseur? C'est par Charles Rossi? Il y a Charles Rossi qui est juste à côté de Jean-François Bernard. Venez, nous vendons à 50 000 euros. Oh, Big Red Farm, thank you very much. 50 000 euros, votre enchère. Nicolas. Big Red Farm. 97 est présenté par le Haras du Mât. Un poulain alzan dès le 5 mars. Alors, le Haras du Mât, Pascal Ménard. Autant Pascal Ménard a confié les chevaux des trois premiers jours au Haras de la Remboursière, mais elle a préparé elle-même les chevaux de la V2. Elle en a également placé au Haras du Cadran. 5000 euros. Ah, 5000 euros qui vont chercher à 5000. 5000 euros à 5000. 5000 euros à 5000. 5000 euros à 5000. Ah, 5000 euros qui vont chercher à 5000. 5000 euros à 5000. 5000 euros aussi pour 5000. 5000 euros à 5000. 5000 euros à 5000. Ah, 5000 euros le pan ici, le mer, encore Gibraltar. Ah, 5000 euros. Ah, 5000 euros qui vont chercher à 8000. 8000 euros à 8000. 8000 euros à 8000. 8000 euros à 8000. 8000 euros à 8000. Ah, 8000 euros, c'est Camille qui vient en chercher à 8000. Ah, 8000 euros à 10000. 10000 euros à 10000. 10000 euros à 10000. 10000 euros à 10000. Ah, 10000 euros maintenant en chercher dans Vasbar Nicolas en chercher à 12000. 12000 euros à 12000.
12 000 euros, c'est Camille Enchère. À 12 000 euros, tout se passe à gauche à 12 000. À 12 000 euros, c'est contre vous, Nicolas. Alors, le 397. À 12 000 euros, Panis, ici, la mer. Oh, comme Gibraltar, la famille. Oh, dream the don't. La Panis. Précoce. Panis qui est revenu chez Alain Régnier cette année. Alain Régnier, Alain Chopard cette année au Aura des Faunes. Après quelques saisons passées en Normandie, au Aura du Quesnay, puis au Aura du Haguenay. Donc Panis est la mère par Rock of Gibraltar, la souche de Golden Steel Befuto. 14 000 euros, c'est contre vous, Camille. À 14 000 euros, l'enchère, on passe par Nicolas. À 14 000 euros, le Panis, il met Rock of Gibraltar, vous le perdez à 14 000. De Dante Rémy également. À 14 000 euros, d'air. Dans le Girling, c'est vendu le 6 des Stars. Panis, à 14 000 euros. Samedi ou dimanche. 14 000 euros, l'enchère, on passe à 14 000. On la juge. 14 000 euros, Nicolas. Le numéro 398 est présenté par le haras du Quesnay, une femelle grise née le 17 avril par Never on Sunday et Tea Time. Et notez que sa demi-papier compte une victoire et deux places supplémentaires. On va voir une vidéo de Le Havre tout de suite. Vidéo réalisée par Francia. À 100 mètres du but, fusil attaqué par Le Havre à la com. Le Havre qui prend le meilleur, qui va s'imposer. Le Havre qui s'impose avec les soifs de mer devant Fusé. Vestralia, Mèche, Havre, Capado, Blou. Et Avenir Certain. Vous venez de voir une vidéo réalisée par Francis. Et donc, bien sûr, on parlait de Avenir Certain. Update. Qui a gagné aujourd'hui le prix de la nonnette en tirant dessus. C'est vraiment une promenade de santé. C'est baladé, quoi. C'est facile les courses dans ces cas-là. Grégory Benoît a demandé de qu'elle allonge un peu ses foulées, qu'elle allonge un peu son encolure également. Et hop, elle a filé. Tout à l'heure, on a vu Antoine de Vatrigan qui a acheté le lot précédent, le 397 à 14 000 euros. L'entraîneur de Gaël Auchop, un homme en forme. Et Gaël Auchop qui mange carrément de... Du dinavena ? La calformine. Ah, il mange de la calformine. Exactement. Et c'est vrai qu'Antoine, Alain Daroux, la calformine, qui est mort. Travaille avec Antoine de Vatrigan. 18 000 euros, on va juger l'enchère. Papier intéressant, Arnaud, ce 398, une fille de Never on Sunday. Les premiers produits sont Yearling. 18 000, Dominique. Qui est étalon au Hara des Granges chez Mathieu Deguzan, Garros. Il a fait une saison de monte au Hara de Grand Camp, d'où ce Yearling d'ailleurs. D'accord. Mais il a très très peu sailli, il est arrivé assez tard dans la saison. Et il a peu sailli, il est parti au Hara des Granges. Mais il fait produit beau ce fils de Sunday Break, Never on Sunday, avec la mère Parkendor. C'est Yohan Gouraud qu'on va signer. Ah, Yohan Gouraud, très intéressant. Entraîneur installé à Maison Lafitte. 5 000 euros, le voilà, Yohan Gouraud. Merci Yannick et merci Jérôme. Alors Yohan Gouraud, un ancien jockey qui a une grosse réussite en tant qu'entraîneur. Il est installé depuis quoi, un an et demi, deux ans à peine. Marche bien, il a des bons AQPS en plat d'ailleurs. Il a eu Vroom. Et il en a un autre là qui sera favori demain à Clairefontaine dans le prix des buveurs d'air. Le baiser volé à 10 000 euros, à 10 000 euros, rien à gauche à 10 000, à 10 000 euros, le champ en face par Solène à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000. Qui a connu des grands moments l'an dernier, en novembre dernier, avec Berenica qui s'était placé deuxième de Groupe 1 et s'était également placé troisième du Saint-Alary, en fait, du coup, deuxième du prix Saint-Alary après la disqualification de Ouillard. Rien à gauche. À 12 000 euros, c'est fini. À 12 000 euros, l'enchère en face, Marceline. À 12 000 euros, pas de regret, Guillaume. À 12 000 euros, vous la laissez partir. À 12 000 euros, c'est Solène qui tient l'enchère en face à 12 000. À 12 000 euros, dernière fois. À 12 000 euros, la sœur de Tianjin City. À 12 000 euros, merci. À 12 000 euros. On avait une lise ? Voilà, avec Yannick Guy Gadbled, Céleri Pro Course, qui va venir nous parler dans deux numéros. Le 6 avril, par Siyuni et Chan Chan.
Nice dit la petite. Siouni. Ou Siouni. Tout bon. La de la avec ses premiers deux ans. La pouffe de la com. La poule de la com. Non, pas la pouffe de la com. Non, on l'appelle pas comme ça. Le New 400. Mais non. Qui aime bien Châtibien. Et volontiers. Trêve de plaisanterie. Alors, le, de nouveau Siouni, on retrouve avec Trixia, cette fille donc de Siouni et de Tianshan, présentée par le Radulogi. Le Radulogi, c'est Julian Ince. Tianshan, la mère, a gagné l'Istud, le prix Coronation. Une fille du rare Laint, qui est talon qui faisait la montre Laint chez Georges Sandor, un talon américain. Et Tianshan portait la casaque de Georges Sandor. Et déjà nommé cette pouiche, c'est assez rare. Trixia. Par vous, Ingrid. 32 000 euros. À 32 000 euros, rien à droite. 32 000. À 32 000 euros. À 32 000 euros, l'enchère est par Ingrid. À 32 000. À 32 000 euros, rien à droite. 35 000. 35 000. À 35 000 euros. À 35 000 euros, maintenant c'est Domi qui dit l'enchère. 40 000. À 40 000 euros, c'est unique. 45. 45. À 45 000 euros, 50 000. 52 000 euros, l'enchère au restaurant, 55 en face, à 55 000 euros, en face l'enchère, contre vous Ingrid, à 55 000 euros, c'est Nicolas qui vient l'enchère, à 55 000 euros, le Siouni, very nice Siouni, à 55 000 euros, à 55 000 euros. On a entreaperçu les yeux de Léa, Léa qui travaille désormais pour France Gallo, qui était spotteuse ici. C'est contre vous messieurs, à 60 000 euros, que dit-on? 65. À 65 000 euros. Où est-elle? À 65 000 euros. Juste devant, on va. À 65 000 euros. On va rediriger la caméra vers sur elle. À 65 000 euros. À 65 000 euros. Le Siouni. Very nice call. À 65 000 euros. C'est bleu ou solène. À 65 000 euros. L'enchère. Ah, la charmante Léa. D'accord. Voilà, ouais. Fresh bidder. 70,000 bidder. À 70 000 euros. Fresh bidder. 70 000. À 70 000 euros. Mettez 5. À 70 000 euros. Mettez 5. 72. 75. 75 000. À 75 000 euros, c'est Bernard l'enchère. À 75 000 euros, rien en face. Siouni. À 75 000 euros, pas d'erreur. À 75 000 euros, 80 000. 85. 85, c'est déjà plus vous. Hop, hop, hop. Top price. À 85 000 euros. À 85 000 euros. 85 pour l'instant. Monsieur Georges Sandor est assis juste à côté de nous, Arnaud. Et puis il a défendu jusqu'à 72 000. On mettait 90. À 85 000 euros. Tout bon poulain, Siouni. Il est extraordinaire, hein, Georges Sandor. C'est fini, messieurs. Inusable. 85 000 euros. Fini, messieurs. Merci. À 85 000 euros, dernière fois. À 85 000 euros. Point à jus. Monsieur Descrillon, 85 000 euros. Merci, monsieur. Alain Descrillon. Le numéro 400. Pour Jean-Claude, c'est roule. Poulance Consignment. Une femelle peine en Grande-Bretagne le 21 mars par Dick Turpin et Tiger Tango. Dick Turpin, les premiers Dick Turpin ici, maire Johannesburg, la famille de Malibu Line, de Lingoness. Arnaud ici pour la fille de Dick Turpin. Gagnant de Jean Prague. Gagnant de groupe 1. Tout bon cheval de course, Dick Turpin. 5 000 euros, 5 000. À 5 000 euros, que le blanchard à 5 000. À 5 000 euros, 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 la Dick Turpin. À 5 000 euros. À 5 000 euros, que le blanchard à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000. 5 000 euros, c'est prêt à 5 000. À 5 000 euros, c'est soleil qui dit blanchard à 5 000. 5 000 euros, à 5 000. 5 000 euros, à 5 000. 5 000 euros, à 5 000. À 5 000 euros, c'est soleil qui dit blanchard à 5 000. À 5 000 euros, c'est soleil qui dit blanchard à 5 000. À 5 000 euros, c'est soleil qui dit blanchard à 5 000. À 5 000 euros, c'est soleil. À 5 000 euros, Dick Turpin. À 5 000 euros, les premiers yearling ici. 8 000 euros, alors le 401. Le 401 est sur le ring. Et on vient de voir justement une image qui nous parle de la Sellerie Pro Course de Yannick Guy
Gadbled, à ne pas confondre avec Yannick Gadbled, dont pourtant il est très proche. Alors la Cellerie Pro Course, on va mettre le micro bien près de la bouche effectivement, parce oui. que nous sommes dans un environnement très très bruyant, pour tout. Qu'on vous distingue bien à votre voix, Yannick. Qu'est-ce que c'est que la Cellerie Pro Course, puisque nous avons la chance que le patron nous ait rejoint à l'instant même? Bonjour tout d'abord, et puis merci de votre invitation. Donc la Cellerie Pro Course, moi je propose comme service de me déplacer directement chez les entraîneurs, les haras, ben, voilà, de venir directement leur proposer ma gamme de matériel directement chez eux. D'accord. Donc voilà. Donc, Et alors c'est quoi, c'est un service qui est unique, vous êtes le seul à pouvoir faire ça? Bon, peut-être que d'autres le font, à ma connaissance je dirais non, mais bon, moi je me déplace dans tout l'Ouest, hein, je dirais, hein, on prend un arc de cercle en partant de Deauville jusqu'à Nantes, hein, en passant par Le Mans, donc voilà, j'essaye de me déplacer au maximum chez les gens et chez tout le monde. Alors là, mais alors qu'est-ce que vous proposez comme type de produit? Vous proposez, alors premièrement déjà, est-ce que vous proposez de les amener ou fabriquer sur mesure? Je les amène et je fais de la fabrication aussi sur mesure. Hein, je travaille avec des celliers qui sont basés dans la Manche et dans l'Ouest. Donc, deux celliers pour le cuir et un cellier pour le biotane, qui est du synthétique. Donc, beaucoup pour le matin, quoi. C'est un produit qui marche pas mal pour le matin. Vraiment, qui ressemble vraiment au cuir, mais qui est vraiment sans entretien et vraiment. C'est quoi, c'était pour les, c'est des selles, sont des brides? Non, c'est de la briderie, la bride. Hein, les bridons, les rennes. Les enraînements. Donc c'est évidemment toujours fragile, les brides, ça prend l'eau, ça prend. Tout à fait. Et là, ça évite, d'avoir à entretenir, évidemment, constamment. Exactement, exactement. Voilà. Il n'y a aucun entretien. On peut laisser vraiment les traîner si on veut. Je veux dire, il n'y a aucun entretien. Ça dure vraiment très longtemps. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là par rapport au cuir, quoi. Voilà. Oui, parce qu'évidemment, dans le temps, il y avait des apprentis et il y avait du personnel dans les écuries. Et maintenant, il n'y a plus d'apprentis ni de personnel. Exactement. Voilà. Il y a plus de courses en plus. Et donc voilà, le temps est compté pour tout le monde et donc voilà. D'accord. D'accord, je comprends bien. Et alors comment ça se passe? On vous appelle la veille, l'avant-veille, et hop, vous arrivez. Non, alors, je blague. Hein, oui, c'est arrivé. Mais donc moi, avec les clients maintenant à qui je travaille, je leur envoie un SMS une semaine avant. Voilà, ou 3-4 jours avant, pour leur dire je passe tel jour, et voilà, et la plupart me répondent s'ils ont besoin que je passe, ou s'ils ont besoin d'un type de matériel bien précis, donc voilà, mais je leur envoie un SMS, et comme ça tout le monde est au courant, quand est-ce que je passe. Ouais. Et alors, quand on dit céleri, c'est, il y a aussi tous les équipements, les saules et tout ça? Tout, je fournis vraiment tout, l'équipement d'écurie, pour les jockeys, pour les cavaliers du matin, je travaille aussi avec des compléments, avec une marque, qui est la marque Edia, qui est connue, je pense, qui est du Calvados. Donc voilà, maintenant j'essaye de faire un maximum de matériel, donc voilà. Donc, Et donc, mis à part ces brides en synthétique, quels sont les nouveaux produits qui marchent les mieux? À 50 000 euros et que dites-vous? Les nouveaux produits? Une chose particulière dans le monde du cheval? Pour l'instant, je dirais non. C'est vraiment ce produit-là qui est vraiment mis en avant. Vraiment, c'est un produit vraiment qui marche très très bien pour le matin. Vraiment, c'est... Bon, même des gens qui sont vraiment amoureux du cuir, ils viennent vraiment. Donc, parce que la texture, elle y ressemble aussi? Tout à fait. La texture et l'apparence. Vraiment à s'y tromper, donc vraiment c'est vrai que le cuir c'est quand même le plus élégant, et puis quand on a une reine en cuir ou du matériel en cuir dans les mains, ça a rien à voir, ça a une tenue, alors que souvent les trucs en synthétique non mais tout, ce produit là est vraiment très très bien, se rapproche vraiment très proche du cuir, donc après bon forcément on reste pour le cuir pour l'après-midi pour les courses qui est vraiment plus noble, oui, mais pour le matin vraiment c'est un produit qui marche très très bien et qui se développe, et même pour les enraînements, enfin on développe vraiment toute la gamme, quoi. D'accord. Et quand on parle de l'Ouest, c'est quoi l'Ouest? Alors, ça va jusqu'au Finistère? Non. Non, non, non. Du Raz, quand même. La Bretagne avec les Bretons, je travaille, je dirais, par colis, quoi. C'est plus facile parce qu'ils sont vraiment espacés, donc c'est plus compliqué. Bien sûr. Non, je dirais, ça reste vraiment Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne. Là-bas, c'est en Brie, forcément. D'accord. Et je commence à aller un petit peu sur Paris aussi, quoi. D'accord. La grande capitale. Voilà. Très bien. Par une demande, quoi. Bon, bah super, merci. Et Yannick. Puis je commence aussi. Et je fais aussi les hippodromes, donc voilà. Ah oui. Voilà. Lesquels tous ou certains particuliers? Non, quelques-uns. Voilà, dans l'Ouest, voilà. D'accord. Donc voilà. Les coordonnées de la salle de concours, c'est facile à trouver puisque c'est à droite de votre écran. À cet et que instant. Les gens n'hésitent pas à m'appeler. Ce sera avec plaisir que je viendrai leur rendre visite pour leur faire découvrir toute ma gamme. Bah, vous avez bien raison. Et peut-être pour développer une nouvelle collaboration. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. C'est moi. Merci. Salut Yannick. Merci. Allez, la Cellerie Pro Course, vous pouvez avoir les coordonnées juste à droite de votre écran pour en savoir plus. Merci. On va reprendre avec le 403.
3000 euros, enchère minimum. 3000 euros qui vont enchère à 3000. 3000 euros à 3000. 3000 euros à 3000. 3000 euros à 3000. À 3000 euros qui vont enchère à 3000. À 3000 euros country real. À 3000 euros la mer déplacée de licence à 3000. À 3000 euros à 3000. À 3000 euros à 3000. À 3000 euros à 3000. À 3000 euros. 3000 euros. 3000 euros, il s'est pris l'enchère personnelle à 3000. À 3000 euros 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 qui vont enchère à 3000. À 3000 euros aussi à country real mer placée de licence à 3000. À 3000 euros 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 à 3000. À 3000 euros. L'enchère par Solène, à 3000 euros, coup l'enchère à 3000, à 3000 euros, 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 coup l'enchère à 3000, 4000, 4000 euros, 4000 euros, nouvel enchérisseur devant vous, Solène, à 4000 euros, à 4000 euros, que dit le second, à 4000 euros, c'est contre vous, monsieur, au fond du passage, à 4000 euros, à 4000 euros, c'est l'enchère direct à moi, à 4000, à 4000 euros, 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, maintenant l'enchère est à droite à 5000, à 5000 euros, à 5000, à 5000 euros, 5000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000 euros, à 6000 euros, à country real, à 6000, à 6000 euros, c'est contre vous, Nicolas, à 6000, à 6000 euros, à 6000 euros, rien à droite à 6000, à 6000 euros, à country real, ici à 6000, à 6000 euros, à 6000 euros, it's against you on the right side, 8000, 8000, 8000, fresh bill. À 8000, à 8000, à 8000, à 8000, à 8000, à 8000 euros maintenant Camille enchère, à 8000 euros country real ici à 8000, à 8000 euros nouvelle enchère maintenant par Camille à 8000, à 8000 euros c'est plus vous Nicolas, à 8000 euros vous la laissez partir ici à 8000, à 8000 euros c'est fini en face, c'est sûr, à 8000 euros on va le juger ici par Camille enchère à 8000, à 8000 euros affiche de country real à 8000, à 8000 euros c'est sûr, à 8000 euros merci, à 8000 euros l'enchère par Camille, à 8000 euros, on le juge, 8000 euros Camille. Le numéro 404 est présenté par le Hara Doméel, un poulain Ben le 21 janvier par Dark Angel et Velvet Revolver. Fils de Dark Angel ici, tout beau poulain par Dark Angel. La mère est placée de groupe, gagnant de 6 courses, placée à 2 ans. Multiplacé de groupe, la famille Didn't Fortune. Alors le 403... Létale force. Ah, comment débutons ici? La fiesta, la fiesta, la fiesta. Patrick Sébastien. Ah, ça c'est bien. La vraie culture. Voici l'acheteur. Avec son polo vert, je sais pas qui c'est, je connais pas. À 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros que l'on cherche à 20 000, à 20 000 euros, 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 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, à 25 000 euros, tout bon poulain ici par Dark Angel, à 25 000 euros, à 25 000 euros, 30 000 euros. 30 000 euros maintenant par semaine, l'enchère à 30 000, 30 000 euros, 30 000, 30 000 euros, 30 000, 30 000 euros, 30 000, à 30 000 euros, very nice horse, 35 000, à 35 000 euros, à 35 000 euros maintenant l'enchère par semaine. On part très fort avec ce poulain de Dark Angel, où il a une sacrée tête, tête franche, le 404. 35 000 euros, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 45, à 45, 45, 45, 45, 45, 45, à 45 000 euros. Dark Angel et Velvet Revolver. Velvet Revolver a fait une belle carrière en Italie, où elle n'a pas gagné groupe malheureusement pour elle, mais elle a pris beaucoup de place dans les courses de groupe. Tout bon poulain Dark Angel, mère placée de groupe, gagnante à 2 ans, à 50 000 euros, à 50 000 euros que dit le second Solène, vous étiez deux à 50 000, à 50 000 euros le fils de Dark Angel, c'est à 50 000, à 50 000 euros c'est fini, à 50 000 euros, à 50 000 euros c'est par vous et contre vous, c'est à 50 000, à 50 000 euros on va juger ici le Dark Angel à 50 000, à 50 000 euros rien à 50 000, 52 000, fresh bidder, 52 000, 52 000 euros, 52 000 euros, 55. 55, 55, 55, 55, et vous êtes deux Solène, surveillez bien. Je vais les présenter par le rat d'Oméel, Hubert Honoré, le maire de Oméel d'ailleurs, petit village. À 55 000 euros, à 55 000 euros, l'enchère par Solène, à 55 000 euros, c'est fini. À 55 000 euros, 58 000, 60 000. Alors, il faut savoir que à chaque fois qu'un cheval est adjugé, le nouveau propriétaire en devient immédiatement propriétaire aussitôt le tombé du marteau. C'est-à-dire que bon, le cheval a quand même assuré automatiquement, je crois, pendant une journée, le temps qu'il reste sur le ring de vente. Mais, il y a évidemment beaucoup d'assureurs qui sont là autour du ring pour proposer leur service immédiatement aux acheteurs qui ont besoin de ce service justement immédiat, parmi lesquels Grâce à Voix avec Benoît Manien, l'homme de la Nièvre, un homme de cheval, c'est de quoi il parle. À 60 000 euros,
et qui propose une offre spéciale à l'occasion des ventes. Frais de chirurgie et un mois d'assurance offert pour tout contrat mortalisé, mortalité de 12 mois. Je répète, frais de chirurgie et un mois d'assurance offert pour tout contrat, mortalité de 12 mois, pris à l'occasion des ventes. Une offre spéciale, et donc voilà, grâce à voix Hipcover, hein, grâce à voix, c'est un assureur qui était l'ancien sponsor du Grand Steeple Chase de Paris et dont la branche course spécialisée chevaux s'appelle Hipcover et qui assure notamment Avenir Certain. Cet après-midi, le prix de Nanette, la championne, la fille de Le Havre, qui assure aussi des étalons, hein, on va parler d'élevage, Reply, Pedro The Great, que sais-je encore, Jean-Jean Couvert. Merci pour votre aide à 80 000 euros. L'enchère en face, Porcelaine, fini à droite, pas d'erreur. À 80 000 euros, pas d'erreur dans la salle. 85. 85, fresh bidder. 85. À 85 000 euros, l'enchère est dans le passage. Nouvel enchérisseur. À 85 000 euros, mettez 90. À 85 000 euros, mettez 90 pour l'avoir. À 85 000 euros, un tout bon poulain. À 85 000 euros, l'enchère à droite. À 85 000 euros, 90 000. 90 000 euros, là on a envie, on parle, là on parle de top price. Là on rigole. 87 000 euros et c'est contre vous. À 87 000 euros, ils sont partis. À 87 000 euros, on va juger cette fois l'enchère par Solène en face à 87 000. On adjuge. 87 000 euros, Solène. Le numéro 405 est présenté par le haras de Colville, un poulain Alzan et le 19 mars par Ken d'Argent. Et voilà, 87 000 euros. Ken d'Argent, le Ken d'Argent, mère Goldaway. Pour le 404 Dark Angel El Velvet Revolver. Nous sommes, je vais vérifier quand même si le Moswell, la Moswell n'a pas été rachetée à 90 000 euros, sinon ce sera le top price de la journée pour l'instant. 10 000 euros. Ah, numéro qui est lancé à 10 000. Ah, numéro un bon poulain de quête d'argent ici à 10 000. Ah, numéro à 10 000 euros, c'est prêt à 10 000. Numéro à 10 000. Ah, numéro un bon poulain de quête d'argent ici à 10 000. Numéro à 10 000. Ah, numéro un bon quête d'argent ici à 10 000. Ah, numéro un des très précoces ici à 10 000. Ah, numéro qui est lancé à 10 000. 12 000 euros, c'est Jean-Jacques. Ah, 12 000 euros, 15 000. Ah, 15 000 euros. Ah, 15 000 euros lancé par Bernard à 15 000. À 25 000 à 25 000 euros, c'est contre vous, Jean-Jacques. À 25 000 euros, nice can d'argent. À 25 000 euros, la mère était très précoce. À 25 000, c'est contre vous, Jean-Jacques. À 25 000, l'enchère par Bernard. À 25 000 euros, un bon poulain ici de can d'argent. À 25 000, regardez le pédigré. Mère très précoce par Goldaway. À 25 000 euros, c'est contre vous, Jean-Jacques. À 25 000 euros, que dit-on, Jean-Jacques? À 25 000 euros, l'enchère par Bernard, 25 000, 28 000, 30 000, 30 000 euros, à 30 000 euros, 35 000. 35 000 euros, à 35 000 euros, very nice gain d'argent, à 35 000 euros, et c'est contre vous Solène, à 35 000 euros, l'enchère par Bernard, 38 000. 38 000 euros, à 38 000 euros, rien en face, à 38 000 euros, c'est plus vous Bernard, à 38 000 euros, l'enchère par Dominique, à 38 000 euros, et que dit-on Solène, à 38 000, à 38 000 euros, quel d'argent, à 38 000 euros, l'enchère directement à Dominique, à 38 000, à 38 000 euros, c'est fini Solène, à 38 000 euros, une seule enchère, à 38 000 euros, l'enchère par Dominique, à droite, à 38 000 euros, c'est fini, à 38 000 euros, merci, 40 000. 40 000, à 40 000 euros, maintenant c'est Bernard Lanchère, à 40 000 euros Bernard, 42, à 42 000, 42 000 euros, c'est plus vous Bernard, à 42 000 euros Lanchère par Dominique, à 42 000 euros, que dit-on plus à droite, à 42 000, à 42 000 euros, quel d'argent, à 42 000 euros, c'est fini Bernard, à 42 000 euros Lanchère par Dominique, à 42 000 euros, on va juger monsieur, oui pas d'erreur, à 42 000 euros, merci, à 42 000 euros Lanchère par Dominique, cette fois, à 42 000, voilà, 45. 45,
45, à 45 000 euros, à 45 000 euros, 46, 46 000, à 46 000 euros, plus vite, monsieur, s'il vous plaît, à 46 000, à 46 000, 48 000, 48 000, 48 000, 48 000, 48 000, 48 000, on mettait 50, à 48 000, on mettait 50, à 48 000, on mettait 50, 50 000, à 50 000 euros, à 50 000 euros, 55 000, 55 000, 55 000, à 55 000 euros, à 55 000 euros, à 55 000 euros, à 55 000 euros, enchaîné par Nicolas, à 55 000 euros, et c'est fini, Dominique, à 55 000 euros, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, à 57 000 euros, mettez 60, à 57 000 euros, l'enchère à droite, à 57 000 euros, et vous le perdez, le quin d'argent, à 57 000 euros, l'enchère par Dominique, un bon poulain ici, à 57 000 euros, fini monsieur au fond du passage, c'est sûr, merci, à 57 000 euros, on va juger cette fois à la barrière, à 57 000, on adjuge, 57 000 euros, Dominique. Le numéro 406 est présenté par la Motre Consignment, un poulain Ben et le 20 mars par Orpen et Amayenne. Orpen, un fils d'Orpen ici. Mère gagnante de trois courses, gagnante de liste, mère Black Type ici. Agne Luton, Orpen, Mère Vorda. Agne Luton, 5 000 euros, 5 000, à 5 000 euros, que l'on cherche à 5 000, 5 000 euros, c'est pas à 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, à 5 000 euros, 8 000, 8 000 euros, 8 000, 8 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10 000, à 10 000 euros, 12 000, à 10 000 euros, 15 000, à 15 000 euros, c'est Bernard, à 15 000 euros, 20 000, à 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros, 20 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, c'est Bernard qui l'on cherche à 22 000, à 22 000 euros, hors peine, 25 000, 25 000 euros, 26 000, à 26 000 euros, 26 000 euros, maintenant c'est Guillaume, à 26 000 euros, 28 000, à 28 000 euros, maintenant par Benjamin Lanchard, à 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, à 28 000 euros, l'Europe NC à 28 000, à 28 000 euros, par le père de Vorda ici à 28 000, à 28 000 euros, à 28 000 euros, c'est contre vous Bernard, à 28 000, à 28 000 euros, c'est Benjamin Lanchard, rien à gauche, à 28 000 euros, vous le perdez à 28 000, à 28 000 euros, que dit-on, à 28 000 euros, Orpen, mère Black Tide. Alors, 57 000 euros, on a profité de cette enchère tranquillement, avec le 405, Ken d'argent, Ken d'argent, Ken d'argent, toujours Ken d'argent. Il était présenté par le Hara de Colleville, Guy Pariante. Né le 19 mars, 57 000 euros. Le cheval a été acheté par Christophe Ferland. Ce fils de Vital Body, deuxième du Critérium de l'Ouest. C'est fini, monsieur. À 37 000 euros, vous le perdez à 37 000. À 37 000 euros, l'enchère par Benjamin. Pas le plus à gauche. À 37 000 euros, on va la juger. L'enchère à droite. À 37 000 euros, dernière fois. À 37 000. On adjuge. 37 000 euros, Marco Bozzi. Merci, monsieur. Le numéro 407 est présenté par le Hara de l'Hôtellerie. Allez, on s'est allé faire un petit tour au Hara du Lion. L'Anjou, la douceur. Il est vendu sans TVA. This yearling is sold without VAT. Weeper, Weeper ici. Beau fils de Weeper. La famille d'Aristote, d'Arizona Run, Weeper, père Whisky de Doldop, père de Burano, encore du temps ici, 5 000 euros, 5 000 euros, à 5 000 euros, que machin, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 aussi, un beau fils de Weeper, à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, à 5 000 euros, il s'est pris l'enchère à 5 000, à 5 000 euros, c'est le mec qui est l'enchère à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 10 000, à 10 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 000 euros, le Weeper, à 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est Guillaume qui est l'enchère à 15 000, à 15 000 euros en face, à 15 000 euros. Alors, American Weeper nous est ici présenté, c'est le numéro 407, un fils de Weeper comme son nom l'indique, présenté par le Hara de l'Hôtellerie, c'est un petit-fils de Absurde, la famille de Aristote, Absolute, souche de Lady Aurélie qui nous est présenté par Jean-Pierre et Guillaume Garçon. Un bon point ici à 23 000, 25 000, 24 000, à 24 000 euros maintenant par Guillaume Lanchère, à 24 000 euros, rien à 24 000, à 24 000 euros, mettez 26, à 24 000 euros, à 24 000 euros, c'est Guillaume qui vient en chair et plus vous en face. À 24 000 euros, c'est le fils de Weeper, à 24 000, à 24 000 euros, c'est fini Dominique, à 24 000 euros, l'enchère est par Guillaume, à gauche, à 24 000 euros, vous le perdez à 24 000, à 24 000 euros, l'enchère à gauche, on va juger, pas d'erreur, à 24 000 euros, c'est le fils de Weeper, à 24 000, à 24 000 euros, dernière fois, pas ouvert en face, à 24 000 euros, 26 000. 27 000, à 27 000 euros, à 27 000 euros, l'enchère est par Guillaume, à 27 000 euros, à 27 000 euros, c'est fini monsieur, à 27 000 euros, à 27 000 euros, c'est sûr, à 27 000, on peut mettre 28 si vous voulez, à 27 000 euros, merci, à 27 000 euros, l'enchère par Guillaume, à gauche, pas le regret plus à droite, à 27 000 euros, dernière fois, à 27 000, on la juge, 27 000 euros, Guillaume.
Le numéro 408 est présenté par le haras de l'hôtellerie. Un poulain ben est le 15 mars par Slickly et Addition. Alors on va accueillir un invité. Alors un invité particulier. Bon, c'est toujours ce que disent les gens qui invitent les invités parce qu'ils sont très fiers de leur présenter au public leurs invités. Mais nous avons ici Aurélien Kahn. Alors Aurélien Kahn, c'est quelqu'un de connu des courses, encore plus connu dans le milieu des sports équestres. Dont c'est le genre de personnage dont on va beaucoup parler en Normandie à l'occasion des Jeux équestres mondiaux. Aurélien Kahn, c'est le concours complet. Aurélien Kahn, pour les gens qui regardent des puristes du pur sang, est-ce que tu peux un peu présenter en quelques mots ton palmarès principal, en mettant le micro bien près de la bouche, parce que c'était un environnement très sonore, sinon on aura du mal à t'entendre. Oui, bonjour Arnaud. Mon palmarès principal, c'est que j'ai participé pendant 25 ans aux plus gros internationaux en concours complet, du mondial du Lyon-Angers que j'ai remporté jusqu'aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. D'accord. Tu as remporté en quelle année le Lyon-Angers, le mondial? En 2007. 2007, ça tombe bien, on venait de parler du haras du Lyon, puisque le mondial du Lyon d'Angers, on le rappelle, se déroule sur le parc de l'Île-Briand, entre l'hippodrome et le parc qui entoure le haras du Lyon dans la forêt. Aujourd'hui, le concours est complet, tu as arrêté complètement? Oui, après 2012, j'ai arrêté pour des raisons économiques, pour des raisons pratiques dans mon infrastructure. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de concours complet, d'autant plus que depuis déjà un peu plus de 10 ans, je fais du débourrage pour entraînement de chevaux de course, que ça fonctionne très bien et que j'ai décidé de me professionnaliser dans cette activité. Tu es installé en Anjou? Je suis installé à Morane, dans le Maine-et-Loire. Quel très beau département que celui du Maine-et-Loire. Et parmi donc 10 ans que tu t'orientes de plus en plus vers le monde du galop, vers le monde du pur sang, et donc on a parlé sur France Cire d'une formation que tu proposes depuis 3 semaines ou un mois, je crois, qui est ce projet qui est devenu public. Quel est-il? Alors la formation, c'est une formation qui va permettre à des cavaliers ou des cavaliers d'entraînement d'améliorer un peu, de parfaire leurs connaissances, leur maîtrise à cheval, leur capacité à présenter des chevaux aux ventes, à débourrer des chevaux dans diverses méthodes. Et c'est venu après la difficulté à embaucher des jeunes dans le débourrage pour entraînement. Il se trouve qu'il y a à peu près 180 postes à pourvoir, donc des postes non pourvus. Donc voilà, j'ai décidé de mettre en place cette formation. Elle va débuter en septembre, au 1er septembre, et se terminera fin avril. Pendant 8 mois, les 6 premiers mois, les élèves vont travailler en centre à Morane, et les 2 derniers mois, ils iront travailler chez les entraîneurs partenaires pour choisir leur discipline de prédilection, soit faire des lots canter sur le plat, soit à l'obstacle. C'est extrêmement intéressant. C'est une première, donc on en a parlé déjà sur France Cire. Il y a déjà beaucoup de candidats qui se sont manifestés. Il y a quelques candidats, on démarre assez tôt, l'ouverture s'est faite il y a que 3 semaines, il faut qu'on démarre le 1er septembre. Plus ça va, plus j'ai de demandes et on en est à 6 ou 7 là. D'accord, oui, et puis il y aura forcément des candidats, on est en France, hein, donc les candidats se déclarent en général après le début. C'est ça. Après le début des manifestations. Ah ouais, non mais en fait moi je voulais y aller moi. Exactement, les jeunes s'y prennent un petit peu tard, mais bon, on essaiera de repousser un tout petit peu les candidatures. De laisser une porte ouverte. Exactement. Laisser une porte ouverte. L'écurie d'Aurélien Kahn à découvrir en détail sur France Cire dans le département des bourrages. Alors, on va faire une petite digression puisque je ne peux pas empêcher de parler un peu des Jeux équestres mondiaux puisque tout le monde en parle. Comment tu vois, quel est pour toi l'impact général sur le monde du cheval, sur la Normandie, et peut-être y aura-t-il des conséquences sur le monde du pur sang des Jeux équestres de mondiaux? C'est énorme. C'est toujours très intéressant de faire venir des étrangers sur le territoire français. On a d'excellents éleveurs, que ce soit pour toutes les disciplines, concours complet évidemment, mais aussi dans les deux autres disciplines olympiques, etc. On voit bien ici que les chevaux de course passionnent les étrangers. Donc je pense que c'est une très bonne chose de leur faire découvrir le terroir régional. Pourquoi l'élevage de chevaux de sport en France souffre autant après avoir été l'un des éleveurs leaders pendant longtemps? On parle dans la Manche notamment, et aujourd'hui c'est la misère noire. Pourquoi?
15 000. Moi, je suis toujours parti du principe que l'intérêt particulier ne desservait totalement l'intérêt général. Et il y a les nations nordiques s'intéressent de par l'intérêt général, mettent en place des structures, des financements, etc., qui retombent sur tous. En France, on a du mal à faire ça. Tu peux donner des détails parce que là, je comprends pas très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais concrètement. Par exemple, hein, les deux leaders dans la commercialisation de chevaux de sport aujourd'hui, c'est la Hollande et l'Allemagne. On voit, par exemple, dans l'équipe américaine de saut d'obstacle, il n'y a que des SBS, donc des chevaux belges, ou des KWPN. Il n'y a même pas un seul français. Comment on peut imaginer, je te fais juste une parenthèse, comment on peut imaginer que la Belgique et la Hollande, qui ne sont quand même pas des grands terroirs, des grandes cultures d'élevage de chevaux de course, c'est quand même pas beaucoup de place en Hollande, on arrive à être leader, y compris aux États-Unis. Donc je te laisse poursuivre. Mais je pense que c'est leur côté commerçant. Ils sont capables de s'organiser autour d'un projet national ou régional. Tout le monde donne de son énergie, de son temps, etc., pour développer un produit commun. Et ce produit commun, lorsqu'il se vend, retombe sur chacun. Alors ils arrivent à exporter évidemment leurs chevaux, à vendre tous leurs chevaux. Ils les valorisent, hein, ils ont un circuit de valorisation court pour préparer les ventes. Ce sont les meilleurs cavaliers de chaque discipline qui viennent les valoriser. Tout est très bien organisé. C'est-à-dire que ce sont les meilleurs cavaliers de chaque discipline. C'est-à-dire c'est pas le gars qui présente qui dit moi c'est mon cheval, c'est moi qui me le présente. Non, en général les chevaux rentrent sur une petite formation courte d'une trentaine de jours, plus en Allemagne parfois, et les meilleurs préparateurs de toutes les disciplines viennent sublimer les chevaux pour la présentation. C'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde. Je dis pas qu'on est naze, mais... On n'est pas naze. Nous, on organise de très belles ventes. Il y a les ventes Nash, les ventes Fence en concours hippique et plein de ventes régionales pour l'ANA, l'Association des Anglo-Arabes ou autres. Hein. Mais ce sont des événements ponctuels avec beaucoup moins de préparation et de marketing que dans les pays du Nord. Très bien. Eh bien, on va suivre ces Jeux équestres mondiaux avec grand intérêt. Et on rappelle que les candidatures sont toujours ouvertes pour la formation proposée par Aurélien Kahn. Formation qui dure du début septembre à mi-avril, c'est bien cela ? À fin avril, c'est ça. À fin avril, pour apprendre aux jeunes à vraiment concrètement préparer des chevaux, non seulement monter à cheval, mais préparer justement, on parlait des ventes, notamment préparer les ventes et connaître vraiment de façon terre-à-terre le métier du cheval. Merci Aurélien. Oui. Juste une petite précision, il y a des gens très intéressants qui vont intervenir dans la formation. Ah oui. Yann Poirier, qu'on ne présente pas, qui est évidemment le président de l'ADP, hein, de l'Association des déboureurs pré-entraîneurs, qui va nous aider à mieux comprendre le métier et dans sa spécialité de longue graine également. Alban Chevalier Dufault, qui est un. The Channel Consignment. Qui est présentateur de chevaux au Brisop notamment, et un éthologue spécialiste de l'équitation américaine, qui est déboureur au Hara de Hus, qui déboure une centaine de chevaux par an. Voilà, on va essayer de faire un mix de tout ça et de former les élèves à leur futur métier le plus correctement possible. Très bien, pour les contacts, c'est très simple, il suffit d'aller sur l'article qui expliquait tout ça et autrement sur la page. Sur la page débourrage de Aurélien Kahn, le Hara, on va rappeler son nom. Le Hara des Corses. Le Hara des Corses. Des apostrophes ? Des apostrophes. Ah oui, pas le Hara de la Corse. Non, le Hara de la Corse. Le Hara des Corses à Morane. Donc vous pouvez trouver toutes les coordonnées et tous les détails. Merci beaucoup Aurélien. Merci, Arnaud. Et bon courage et bravo pour cette initiative dont la France a bien besoin. Merci. À 27 000. Vous voulez vous mettre 30 ? À 27 000, l'enchère sur la gauche à 27 000 et on va la juger. À 27 000 euros. À 27 000 euros qui couvre l'enchère de 27 000. C'est bien vu, pas de regret nulle part à 27 000. Pas regret, à 27 000 euros, fini en face, on la juge. 27 000, Jean-Claude Rouget. Le numéro 412 est présenté et élevé par le Hara de la Haineuve, une femelle benne et le 18 mars par Siyuni et Asukar. C'est l'admisseur de King David, gagnant de 7 courses, placé de l'Estud. Très belle souche maternelle, celle de Pont-Aven, de Sainte-Marine. Beaucoup de gagnants de groupe dans cette famille. Combien offre-t-on pour l'admisseur de King David par Siyuni ?
30 000, 20 000, 20 000 euros, 10 000. Alors, on a vendu à 75 000 euros le lot 410 de Chart. Donc, le lot vendu préalablement, le 87, c'était à 87 000. C'était le Haradé Domé, le 404 Dark Angel, les Velvet Revolver. Et bel et bien, le top price de la journée. De la V2, 87 000 euros, puisque la Mosvel, qui est passée en tout début de catalogue, le 371 à 90 000 euros, 90 000 euros est rachetée, une Mosvel, il faut vraiment que la Chris Aureli y croit beaucoup. Guillaume, 35 000, plus vous Nicolas, à 40, 40 000, 40 000, Dominique, à 40 000, ça vous, à 40 000. Et donc le 87. Nicolas, pas vous, Guillaume, vous êtes 45, 45 000. La 87 000, c'est top price, puisque le deuxième top price, il est à 85 000 euros. La fille de Siou. Je vais vous donner immédiatement le détail. 50 000, sup. Très bonne souche maternelle à 50 000, à 50 000 qui est conjoint de 50 000, à 50 000 euros, à 50 000 euros, à 55, 55 000, 55 000 contre vous, à 55 000 contre vous, Dominique Lanchère, à 55 000, à 55 000, à 55 000 qui est conjoint de 55 000. Pardon ? 60, 60 000, 60 000, 60 000, plus vous, à 60 000, à 60. Quoi ? Mais non, 50. Pardon ? Voilà, The Channel Consignment qui a acheté le 404 pour 87 000 euros. Alors 52, voilà, 52 000. Et le deuxième top price, c'est le 400 à 85 000 euros. À vous, contre vous, 55 000. N'anticipez pas trop parce que c'est moi qui fais les enchères, d'accord ? 55 000. À droite, l'enchère, plus vous. À 55 000, à 55 000, à 55 000, plus vous. À 55 000, à 55 000, à 55 000, à 55 000, à 55 000 euros. À 55 000 euros, à droite, l'enchère. À 55 000, voulez-vous mettre 57, monsieur ? À 55 000, vous la perdez. À 55 000. Trixia, une fille de Siouni. Le troisième top price. 7. 60. C'est Save Heaven, le 390. Si Uni, la sœur de King David, à 60 000, à 60 000, plus vous, à 60 000, à 60 000, à 60 000, à 60 000 euros, à 60 000 euros, qui court en chez le 60 000, c'est bien vu par le Grénon, à 62. Qui est aussi un Si Uni. 62 000 et plus vous, ni Dominique, ni... Voilà, donc le 90 000 euros, ça a été racheté, on précise bien, le 371. 000, fini, monsieur, c'est sûr. Ensuite, nous avons au 404 un Dark Angel et ensuite deux Si Uni. Quant au quatrième top price à 65, plus à droite, pas en face à 65 000, la fille de Siouni, à 65 000, la sœur de King David, à 65 000, à 65 000, à 65 000, à 65 000, à 65 000 euros, à 65 000 euros, qui est couvert de 65 000, à 65 000, c'est bien vu par regret. 7, 10, 70 000, toujours à gauche, l'enchère à 70 000, à 70 000, à 70 000, plus vous, messieurs, à 70 000. Je tourne les pages du catalogue. Je ne me rappelle plus de son père par cœur. 402. À 70 000, 12, voulez-vous ? À 70 000. C'est Ken d'argent. Voilà, donc les Dark Angel fait la montée outre-manche. Mais autrement, nous avons Siouni et Ken d'argent. Donc, un toute jeune vedette. Le numéro 4. Et après, Ken d'argent, étalon ultra confirmé. Un poulain convoité dans le monde entier, enfin en tout cas en Europe. 70 000 euros, c'est Jean-Claude Rouget. Il est par Ekiano et Azurinta. Fils Ekiano, dont les premiers produits ont 2 ans, un gagnant des Kingston Stakes. Très bonne famille, celle de Mr. Sacha, de Mr. Charm, Tim Arida, tous gagnants de groupe. Combien offre-t-on un bon poulain d'Ekiano ? Jean-Claude Rouget, donc, qui a acheté le fils de... 20 000, la fille, pardon, de Siouni, on en parle encore. Sœur de King David, lui-même un fils d'Ifrage qui a été Black Type. Troisième du prix François Boutin. À la famille de Capcos, Indian Days, Bignou. 15 000, Nicolas contre vous, 15 000. À 20 000, 25 000, plus vous, Nicolas, 25 000. À 25 000, 25 000. Alors, 25 000, 24. Pendant que les enchères. Commandant que les enchères commencent, je vous donne un petit mot de nos prochains rendez-vous. Nous allons avoir demain, on en parlera un petit peu plus tard, en direct le débat du syndicat des éleveurs. Et le 29 août, à ne surtout pas manquer, la 21e édition du concours interrégional, et devrait-on dire international, car ça attire vraiment des acheteurs de toute l'Angleterre et d'Irlande, de Decize.
à 28 000. Le fameux concours d'AQPS de 6 dans la Nièvre qui aura lieu donc le 29 août. Donc vous pourrez dès ce soir trouver tout court toutes les candidatures et le catalogue complet lot par lot avec le formule multimédia sur France Cire. À 28 000 euros qui courent chez les 28 000. Et nous, dès le lendemain, puisque nous allons, comme d'habitude, à Decize pour filmer tous les lots et les prendre aussi en photo, retrouver dès le lendemain tous les classements, les résultats, les infos et donc les vidéos individuelles. Voilà, pour Decize et non Decize. Mais bien beaucoup de monde disent Decize, puisqu'ils viennent d'Angleterre et d'Irlande. Willie Mullins, des grands entraîneurs en Angleterre et d'Irlande qui viennent tous les ans. Je ne sais pas quels seront les invités principaux cette année. Le 20 février par Falco et Blanche. C'est la sœur d'Indigo. Indigo gagnante de l'Istot du prix La Sœur Elina. Propre sœur donc. La mère est gagnante de gros. Gagnante de 9 courses la mère. Combien offre-t-on pour la propre sœur d'Indigo, issue d'une gagnante de 9 courses? 30 000, 20 000, 20 000, qui offre 20 000, 20 000, la propre sœur d'Indigo, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000 pour débuter. Allons-y, mettez vos enchères à 10 000, à 10 000 euros, la sœur d'Indigo, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui offre 10 000 pour débuter? 10 000 euros, 10 000 euros l'enchère à 10 000, à 10 000, là oui, 10 000, Solène l'enchère à 10 000, à 10 000 euros qui est couvanche de 10 000, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000 euros qui est couvanche de 10 000, à 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 10 000 euros qui est couvanche de 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, oui, 12 000, à gauche l'enchère du Guillaume, c'est chez vous, à 12 000, en face de Camille, à 12 000 euros plus vous Solène, à 12 000 euros contre vous Solène, l'enchère à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros l'enchère à gauche à 12 000, à 13 000, plus vous. À 13 000 euros, à 13 000 euros qui couvrent de 13 000, à 13 000 euros qui couvrent de 13 000 euros l'enchère, à 13 000 euros, à 13 000 euros, à 15 000, Nicolas contre vous, à 15 000, à 15 000, à 15 000 qui couvrent de 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros qui couvrent de 15 000, 16 000, 18 voulez-vous, à 16 000 l'enchère par Nicolas, à 16 000 euros, à 16 000 euros qui couvrent la propre sœur d'Indigo, à 16 000 euros. Nous sommes à 16 000 euros l'enchère. À 16 000 euros, c'est bien vu. À 18 000, plus vous, Nicolas, 20 000, voulez-vous? À 18 000 contre vous, voulez-vous 20 000? À 18 000 l'enchère sur la gauche. À 18 000, à 18 000 l'enchère. À 18 000 par Guillaume. À 18 000 qui couvre l'enchère de 18 000. À 18 000 euros. À 18 000 euros qui couvre l'enchère, qui met 20. À 18 000, la sœur d'Indigo, la mère est gagnante de 9 courses. À 10, elle est gagnante de groupe, la mère 19 si vous voulez. 20. 19 000 en face, l'enchère, voulez-vous mettre 20 000? À 19 000, c'est bien. Blanche. Pardon, Grénon, à 19 000. On aimait beaucoup Blanche. Beaucoup, Blanche, la mère de ce 414. Indigo, c'est bien vu. 20 000, Guillaume, 20 000, plus vous, Nicolas. Gagnante du prix de moterie en fin de meeting ici. 20 000 euros l'enchère, à 20 000 euros qui court. Sous l'entraînement de Jacques ou Frédéric Rossi, je ne sais plus, l'un des deux frères. Blanche est déjà mère d'Indigo. Et Blanche, c'était le prénom de la grand-mère de Frédéric Rossi. Il lui avait donné ce nom à cette pouliche qu'ils ont élevée eux-mêmes et qui est devenue une véritable super jument de course. Je suis assez surpris de la faiblesse de ce prix. Falco. Peut-être parce que la jument a beaucoup de blanc, effectivement. Elle est alsane, claire, avec une robe très claire, de grandes balsanes. Mais tout de même, parce que Blanche, non seulement était très très bonne jument de course, elle a déjà donné Falco, avec Falco d'ailleurs, Indigo, gagnante du prix La Sorolina à la peste, à Houston. La propre sœur de Indigo, on en est resté à 20 000 euros. Bon, j'avais pas eu le temps de la voir physiquement dans le détail, donc je ne m'avancerai pas plus à ce niveau-là. Désormais, on... 20 000, voulez-vous 20 000, 20 000 on passe 20 000, à... 20 000, ah tiens, Lou Breton. Premier yearling de Lou Breton. 10 000 qui offre 10 000 qui fait la monte Ouara de Saint-Vincent. 10 000 euros qui offre 10 000. Chez Thierry Dallalonga, le rat de Saint-Vincent se situe à Tarbes. 5 000 euros. 5 000 c'est un ancien haras d'anglo-arabe. À 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000. À 5 000 euros l'enchère. À 5 000 qui couvre l'enchère de 5 000. À 5 000 euros l'enchère est sur la gauche. À 5 000. À 5 000. Demi-frère. Qui était le lieu d'élevage d'un éleveur, d'un personnage mythique des années 60-70 du monde de l'anglo-arabie, mais aussi du pur sang, Émile Lestorte. Et donc le haras n'a plus été exploité ensuite. Il a été repris par Thierry Dallalonga qui nous venait de Pau.
9000. Avec son épouse donc, et qui présente sous le nom de HSV Agency, c'est-à-dire Arad Saint-Vincent Agency. Ça appartient au Arad et Os, et donc c'est le premier produit de. C'est le premier produit de. À 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui couvre de 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, pas dans le. Pas vous, Jean-Jacques, 8, 12, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, à 11 000, Guillaume, contre vous, à 11 000, à 11 000 euros, à 11 donc, Lou Breton, qui est couvert de 11 000, à 11 000, origine Wildenstein, très belle origine Wildenstein, Anaba et Louvre, ah, c'est en plus c'est un fils d'Anaba, hein, comme Anaba Blue, Anaba qui est un père de père, c'est le père d'Anaba Blue, c'est le père de Spirit One, à 11 000 euros, c'est bien vu, rien au-dessus de 11 000. On va être jugé à 11 000 euros. On est juge. 11 000 Solène. Le numéro 416 est présenté par le haras du Petit Tellier, une femelle benne le 10 février par Whipper et Boavinda. Notez que cette pouliche est vendue sans TVA. This filly is sold without VAT. Très bonne famille maternelle et surtout très belle souche, celle de Seattle Slough, Seattle Dancer, Le Monde, etc. Que des classiques. La famille également d'Acassan, gagnant de groupe 1, de Desert Secret, gagnant de groupe 2, une fille de Whipper. Alors, nous en sommes au 415, 45 lots sont passés, bientôt la moitié du catalogue, donc déjà, qui en comporte 120, on va s'arrêter au 480, et 492, ça va assez vite aujourd'hui. Et donc, on va faire un petit point enchère peut-être. 6 000, Dominique, l'enchère à 6 000, pas vous Solène, à 6 000 euros, à 6 000 euros. Donc le top price du jour à 90 000 euros, la Mosvel à 90 000 euros ayant en fait été rachetée. À 6 000 euros, à 6 000 euros nous sommes, à 6 000 euros qui couvre enchère de 6 000, enchère par Dominique à 6 000, à 6 000 euros qui couvre enchère de 6 000. À 6 000 euros l'enchère, à 6 000 euros c'est bien vu, à 6 000 euros la fille de Whipper. Le top price est le 404 à 87 000 euros, fils de Dark Angel. Le deuxième top price est le 400 à 85 000 euros, acheté par Alain Descrayon. Top price avait été acheté par The Channel Consignment. À 8 000, c'est Dominique à nouveau. Trixia, une fille de Siouni. Ensuite, c'est de nouveau Siouni avec un fils de Siouni, le 390, vendu 75 000 euros à Sylvain Vidal. Ensuite, nous avons le 410, une Dutch Art, vendu par le Harald Grand Camp à Jean-Claude Roger pour 75 000 euros. Et ensuite, nous avons deux quennes d'argent. À 9 000, les 402 et 405. Vous, Nicolas, 9 000 et pas vous, Dominique. Vendu 60 et 57 000 euros. 10 000, plus vous, Camille. À 10 000 euros et pas vous, Nicolas, à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros. À 10 000 euros, Dominique Lenchère, à 10 000. Fini à gauche, une seule enchère. À 10 000 euros, on va juger. Pas de regret, non. À 10 000 euros, votre enchère, Dominique. À 10 000 euros, on la juge. 10 000, Dominique. Le numéro 417 est présenté par le haras de Succo, agent pour Bayley's Horse Feeds. Il s'agit d'un poulain bai foncé. 10 000 euros. Cette fille de Whipper. Rachetée par le haras du Petit Tellier, comme vous pouvez constater. Gagnant de groupe 2 de Love Academy. Gagnant de groupe également de Lando, de La Roche. Belle souche maternelle. Avec beaucoup de gagnants de groupe là aussi. Un fils astronomeur royal, père de gagnant de groupe lui-même. Combien offre-t-on ? 20 000.